Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et ravi de vous retrouver pour ce 66e épisode du Marioton. Et oui, ce soir, ce n'est pas Playday, puisque comme je l'avais expliqué, pour cause de démo de Stellar Blade qui sort demain, on va faire Playday demain soir, et donc on inverse les rôles. Ce soir, c'est le Marioton, c'est votre dose de Mario, grosse dose de Mario hein, cette semaine, puisque il y a eu la fin de Super Mario 64 DS. C'était mardi, donc avant-hier. Hier, on a eu droit à 3 jeux. On a eu droit à l'incroyable Dancing Stage Mario Mix, puis le très étrange Mario Party Advance, et enfin le très relaxant Yoshi Touching Go. Ce soir, nous aurons droit à 4 jeux, puisque l'objectif, c'est d'arriver, ni plus ni moins, au jeu numéro 99, et ensuite de pouvoir dérouler le tapis rouge la semaine prochaine au 100e jeu du Marioton, à une semaine de la fin de toute forme d'intérêt pour ce jeu. Ça sera Super Mario Maker sur Wii U, pour un jeu un petit peu hors série dans la progression, mais auquel il faut absolument jouer avant, qui n'ait pratiquement plus aucun intérêt, passé le 8 avril prochain. Ce soir, on va donc jouer à plusieurs jeux. Il y aura du baseball avec Mario Superstar Baseball, et figurez-vous, j'ai appris, plusieurs personnes me l'ont signalé, et je trouve qu'effectivement la coïncidence est assez rigolote, que la saison de baseball ouvre justement aujourd'hui aux États-Unis. C'est un énorme hasard, surtout que, bon, je pense que vous le savez, je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout connaisseur en termes de baseball. C'est un sport que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas spécialement. Je sais juste qu'avec la batte, il faut faire des home runs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais du coup, ouais, la coïncidence est assez rigolote. On m'a dit aussi que la saison, je crois, c'est initiée le 29 septembre, un truc du genre. Enfin, c'est peut-être juste une saison régulière, et après, il y a peut-être des playoffs, je sais pas. Mais le 29 septembre, on sera peut-être à Mario Super Swaggers sur Wii, hein, qui sait. On verra bien d'ici là. Il y aura également ce soir Dr. Mario et Puzzle League, qui est probablement le jeu sur lequel on passera le moins de temps, puisque Dr. Mario, on en a déjà bouffé à 5 reprises dans ce Marioton. Et on va donc encore le revoir ce soir, mais ça ira très vite. On aura un jeu de tennis également, avec le dernier jeu GBA du Marioton. Et oui, la fin de la partie GBA du Marioton, c'est ce soir. On va commencer enfin à avoir des jeux qui ressemblent à quelque chose, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on aura également fini la partie GameCube, et on sera donc dans une ère DS Wii. Bon, du coup, c'est pas les jeux que je préfère, et c'est pas forcément non plus que des jeux qui ressemblent à grand chose, mais quand même, on avance bien, on est déjà rendu en 2005, mais on a fait un peu moins de la moitié des jeux qui sont quand même à montrer dans ce Marioton. Quant au dernier jeu que je montrerai ce soir, qui sera 99e normalement, c'est Mario Party 7. Et évidemment, Mario Party 7, on sera sur le bundle avec le micro, évidemment. Faudra finir sur un truc cringe. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de ce stream, parce que la partie qui sera probablement la plus épique risque d'être tout à la fin, puisqu'on va jouer à Mario Party 7. On fera des mini-jeux avec le micro, comme on avait fait sur Mario Party 6 il n'y a pas si longtemps de ça. Je vais donc ranger tous ces jeux là qui sont à gauche, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer ce soir. On commencera donc par Mario Superstar Baseball. Pire qu'hier, je ne sais pas. Je suis pas sûr que ce soit pire qu'hier, parce qu'en vrai, hier, c'était quand même assez particulier, hein, le Dancing Stage Mario Mix. Faut pas se mentir. Du coup, bonsoir tout le monde, hein, bonsoir les gens, parce que je vous ai pas encore dit bonsoir. Bonsoir Ours, Lukaku, Toza, Miku, bien sûr, Coco Zabrico, Vifit Gaming, Mr. Boz, Glabou, Corrosif, Nikumanga, FF6man, PJ, Hervé, Yarl, Wasabi, Tom Yoya, Titi et Coton et Bridosaur. Tu auras 45 ans demain. Attends, tu dis vendredi prochain. Tu dis ce vendredi ou le vendredi d'encore après? En tout cas, bah écoute, bon anniversaire en avance. Sachant que vendredi prochain, c'est pas un jour banal, effectivement, parce que c'est le jour où je ferai le fameux live sur Nirvana. Il faudra que je vous dise ça, parce que c'est un live où vraiment j'espère avoir du monde. Donc ça veut dire, Bédosaur, que tu as eu 15 ans le jour de la mort de Kurt Cobain. Ce soir, nous allons donc jouer à plein de jeux. On va évidemment s'intéresser, comme à chaque fois, au lore de ces jeux. On va regarder où on en est aussi au niveau du Marioton, pour mieux comprendre pourquoi on avance comme ça. Donc vous voyez, hier, on a fait DDR Mario Mix et Mario Party Advance. Yoshi Touching Go, il est dans la partie ici, hein, dans les spin-offs. On remonte donc un petit peu. Et les jeux 96, 17, 18 et 19, ils sont ici. Ce sont... Alors 19, en vrai, c'est... Attendez, oui, Mario Kart DS a déjà été fait. Donc on se retrouve avec une configuration où, en dehors de Mario Smash Football, qui du coup sera le tout dernier jeu GameCube, qui aurait pu être le 100e jeu, c'est vrai, mais je préfère quand même que le 100e jeu, ce soit symboliquement un jeu qui bientôt n'aura plus d'intérêt.
à savoir donc Mario Super Mario Maker sur Wii U. La suite du planning est déjà plus ou moins vue, hein. Le Mario Smash Football, je pense que je ferai peut-être un live entier dessus pour justement qu'on passe un bon moment sur un vrai Mario Foot. Bonsoir Mara, merci pour le Prime et pour le 6e mois d'abonnement. J'en profite bien évidemment que vous pouvez vous abonner avec Twitch Prime en associant vos comptes Amazon et Twitch, ce qui vous permet d'accéder à Twitch Prime. Il vous suffit pour ça, une fois que vos comptes sont associés, si bien évidemment vous avez un abonnement Amazon Prime en cours, d'aller tout en bas à droite, de cliquer sur s'abonner, de suivre les différentes petites opérations dans l'onglet de droite, et vous n'avez plus qu'à cliquer, et ça ne vous coûtera rien de plus puisque ça fait partie des avantages de votre abonnement Amazon Prime. Bonsoir Oliver Ball, et bonsoir aux autres personnes qui nous rejoignent. Donc après Mario Smash Football, vous verrez, on aura un enchaînement de jeux qui vont, eux, prendre pas mal de temps. On aura Super Princess Peach qui, à mon avis, prendra 2-3 streams. Pareil pour... pareil pour Mario Luigi Partners in Time. Non, Mario Luigi Partners in Time, ça va être long. Et il n'est pas exclu que lui, je le décale à après le Japon. Je pense que je vais faire Super Princess Peach et New Super Mario Bros. D'abord. Ensuite, il y aura le Japon, ça sera la pause. Et au retour, on enchaînera sur Mario Luigi Partners in Time parce que je ne veux pas commencer un let's play, partir en voyage pendant 2 semaines et revenir en ayant un peu oublié le jeu. Bref, on avance bien. Et donc, ce soir, l'objectif, c'est d'arriver à 99 jeux. On commence avec le 96e immédiatement, qui n'est autre que Mario Superstar Baseball. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont ce jeu, qui ont joué à ce jeu à l'époque, qui s'en souviennent, qui auront peut-être des conseils potentiellement à me donner? Donc un jeu évidemment que je possède comme tous mes jeux GameCube complets évidemment, avec un disque très très joli, hein, comme la plupart des disques GameCube. Je crois que je dois avoir les points VIP dedans, ouais je les ai exactement. Pas très commun hein, Mario Superstar Baseball, points VIP qui n'ont pas été grattés. Voilà, il y a tout, il y a absolument tout dedans, un jeu très très en très très bel état. C'est du baseball simplifié, me dit PJ dans le chat qui a pas mal joué à ce jeu. Je ne sais même pas qui a fait le jeu en l'occurrence. Est-ce que c'est marqué dessus? Parce que je sais que c'est pas Camelot, c'est Namco apparemment. Je vois copyright Nintendo Namco, donc j'en déduis que c'est Namco qui a bossé dessus. Écoutez, on verra bien comment ça se passe. Tout le monde, il y a des gens qui m'ont dit que ce jeu n'était pas en français. Ce qui est étonnant pour un jeu de 2005 quand même. On sait que sur N64 on avait encore des jeux en anglais comme justement Mario Kart 64 ou Mario Tennis. Mario Golf je crois était en anglais aussi. Sur GameCube on a enfin des jeux français, version intégralement française, hein, la notice est donc totalement en français. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Et elle nous dit absolument rien cette notice, il n'y a pas l'air d'avoir de lore en particulier dans ce jeu. Oui, j'aime bien quand même regarder le lore. Donc évidemment ce qu'on fera c'est qu'on va... regardez un petit peu comment ça se joue, j'imagine qu'il y a peut-être des tutos in-game. Si jamais je dois me référer à la manette, à la notice, excusez-moi, durant ce live, bah écoutez, je le ferai. Mais du coup, nous allons sortir le petit disque GameCube, le mettre dans la console, un petit rituel qui bientôt va s'arrêter, hein, puisque, comme je vous dis, ce soir, on a deux jeux GameCube, plus deux jeux GBA qui seront via le Game Boy Player, mais après ce live, eh ben, on n'aura plus qu'une seule fois à utiliser la GameCube en live durant le Marioton, hein, bien sûr la GameCube resservira à d'autres occasions je pense, notamment le jour où on fera peut-être Dancing Stage Mario Mix mode aventure en entier. Donc en attendant on commence avec Mario Superstar Baseball qu'on va mettre dans la GameCube et ça sera donc le 96e jeu de ce Marioton. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer, alors c'est, j'allais dire la petite acquisition du jour pour vous teaser avec cette beauté et vous dire ah tiens c'est sympa de récupérer ça le jour où je finis l'arc GBA. En vrai la boîte je l'avais déjà, c'est juste pour vous teaser qu'à l'intérieur il y a une nouvelle cartouche, enfin une cartouche tout court parce qu'en fait il n'y en avait pas. Ceci c'est une boîte vide hein, que j'ai dans ma collègue depuis un petit bout de temps déjà. Je remercie Elidor de la commune d'ailleurs qui me l'a offert. Et j'ai récupéré une cartouche de Pokémon Emerald aujourd'hui, qui du coup rejoint la boîte. Il manque plus que la notice, donc si jamais il y a des gens dans cette commu qui auraient la notice seule de Pokémon Emerald et ou les points VIP de Pokémon Emerald, sachez que ça m'intéresse hein, forcément pour compléter cette boîte. Voilà, c'est la fin du petit aparté collection, hein, c'est pas évidemment le sujet du jour, mais je me suis dit que c'était une amusante ironie du sort de récupérer quand même quelque chose d'important pour ma collègue GBA le jour où je conclue la partie GBA du Marioton. Alors, on va allumer le cube de jeu, évidemment. Et oui, FF, je pars au Japon, c'est fou, hein. Comment ça, ours, toi aussi? Toi aussi, ours, tu vas au Japon? Mais c'est dingue, ça. Si jamais je revends ma deuxième boîte, mais quelle boîte, Tails? J'ai pas deuxième boîte. J'en ai qu'une seule.
On m'a offert une boîte et j'ai acheté une cartouche pour mettre dedans, mais j'ai jamais eu de deuxième boîte. Bonsoir à toi d'ailleurs au passage. Nous allons mettre le jeu en 60. Voilà. Et on va ensuite aller sur la partie GameCube. Ici, on va juste régler le son pour qu'il n'hurle pas trop parce que j'avais fait un petit truc cet après-midi là. Voilà. Bonsoir Delayer. Et c'est parti pour un jeu qui normalement devrait avoir une intro sympa. Parce qu'on a vu hein, les intros sur les intros des jeux de sport sont cool. Hein. Avec de la bonne country bien américaine. Et bonsoir Delayer. Challenger Wanted. Je pense quoi, lui qui fait de l'import, c'est bien. Le son grésille. Ah oui, pardon, excusez-moi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me le dit. Hein. Ces intros GameCube sont quand même incroyables. Incroyable la chanson, Let's Play the Baseball Game. J'aime que les Bordeaux du public ne font aucun effort et qu'ils pourraient récupérer la balle, ouais. Bonsoir, Wan. Alors, je ne sais pas si on a le droit de monter sur le mur comme ça pour rattraper la balle. Hein. Oui, on s'en fout, c'est du baseball à la Mario, hein, tout est permis, effectivement. Bonsoir, Dactylou. Évidemment, Mario va nous faire un home run parfait. Quoi ce buzzer ultra cringe à la fin là? Alors, donc Mario Superstars Baseball, Superstar, on va falloir que j'y arrive, est en anglais, effectivement, donc on ne fait pas de sauvegarde. Hein, parce que je pourrais expliquer rapidement les règles en même temps que je joue. Ce sera avec grand plaisir, Joss, que si je connaissais les règles du baseball, parce que je ne les connais pas. Donc on a le mode d'exhibition, on a le mode challenge pour un joueur, ok. On a le toy field, j'imagine que c'est l'entraînement peut-être. Des mini-jeux, l'entraînement, donc practice to learn how to play the game, très bien, c'est ça qu'on va devoir faire, donc on va aller en practice, avec un écran de chargement absolument incroyable, où Mario n'a littéralement pas de casquette hein, par contre, c'est juste un trait rouge. Donc on a practice pitching, batting, fielding, base running et du free play, ok très bien, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Ok, donc on a vraiment plein d'explications. Les fonds un peu du pitch. Alors déjà, je sais pas le pitching par quoi, comment ça se traduit en vrai en français. Parce que pitch pour moi c'est un terrain. Ok, donc on bouge le stick de gauche à droite. Très bien.
Ouais, c'est le lanceur, effectivement. Donc une fois qu'on a décidé où est-ce qu'on lance, on appuie sur A. Très bien. Donc on oriente légèrement le stick vers la droite si on veut balancer la balle vers la droite. Et donc c'est important, c'est qu'il faut le bouger après avoir fait le lancer. Ok. Donc là je me bouge, ok, très bien. Donc là je la lance sans aucun effet. Là on va la lancer vers la droite, très bien. Et là vers la gauche. Ok. Et est-ce que ça peut se lancer? Est-ce qu'on peut imprimer un mouvement une fois qu'elle est déjà partie? Voyons. Ok. Très bien. Le principe, c'est que le lanceur doit éliminer le batteur adverse. Si le batteur échoue par 3 fois à renvoyer la balle, il est out éliminé. Il faut éliminer 3 batteurs pour mettre fin à la phase de batte de l'équipe adverse. D'accord. Donc là, quand on lance la balle. Enfin, quand on jette la balle plutôt, donc il faut appuyer sur A plus longtemps pour avoir plus de puissance dans le lancer. Très bien. Et du coup, on fait ce qu'on appelle un lancer chargé, j'imagine. Je suis sûr, au bon moment, on va faire un lancer éclair. Quand Ice apparaît, donc en fait, ça c'est comme quand on fait un service avec un Ice dans Mario Tennis, quoi. Et donc là, c'est un normal. On va essayer d'en faire un, donc j'imagine que l'autre c'est tout en haut. Faut lâcher juste avant. Je sais pas ce qui se passe en fait si je remplis la jauge. Ok, donc le nice c'est pas ça. On sait que le baseball a beaucoup de joueurs sur le terrain, donc les Mario Baseball sont les Mario Sport les plus gros rosters, tu verras après. Mario Super Swagger sur Wii a un roster encore plus gros. Il y a combien de joueurs de baseball sur le terrain en vrai? Je vous dis, c'est vraiment un sport que je ne connais pas. Hein. Alors, les change-up, donc c'est un mouvement au ralenti de la balle. Ah ouais, d'accord, c'est des amortis en fait. Donc faut appuyer sur le 2 en même temps. Une équipe de 9 joueurs. Bon, par rapport au rugby, ça va, c'est peu. Maintenant, c'est que ce sport est ultra populaire au Japon. Je ne sais pas du tout pourquoi le baseball est aussi populaire au Japon. Parce que c'est vrai que c'est un sport notoirement américain, le baseball. C'est un sport qui a, j'ai l'impression, jamais percé en Europe. Hein. C'est pour ça que le deuxième Mario Baseball n'est pas sorti en Europe. Il existe au Japon et aux US, mais pas en Europe. On va essayer les Star Pitches. Donc on peut faire un lancer étoile fatal. On va faire des Team Stars. Quand le capitaine fait un lancer étoile, il va utiliser une étoile d'équipe. Enfin, Team Star, quoi. Les autres capitaines utiliseront deux. Ok. Regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, il faut donc maintenir R. Donc là, c'est lancé. Ouais, c'est chiant, le baseball, ça dure des plombes. On va essayer de comprendre de toute façon. Donc là, il faut appuyer sur R. Enfin, lancer l'étoile, ouais. Qui est beaucoup plus puissant, du coup, j'imagine. Ah là, je l'ai loupé. Ah, il fallait peut-être que je maintienne en fait. Ouais, donc je maintiens jusqu'à ce que ce soit parti. C'est la partie pouvoir gadget typique des Mario Sports, c'est ça. Ah, j'ai fait un ice, tiens. Je l'ai pas voulu, mais j'ai fait un ice. En fait, le ice, j'ai l'impression que c'est quand il est tout en hauteur, quand Mario est vraiment voilà. Je suis un fan de baseball, si jamais tu as besoin d'aide sur les règles. Ça marche, gourou, bah merci beaucoup. Je verrai bien hein, si j'en reçois le besoin à un moment. Sachant que là j'apprends déjà les coups et puis bon bah j'essaierai de comprendre après leur application. Ah oui c'est vrai qu'il faut que j'arrête de relâcher R par contre. Voilà. On notera que c'est intéressant, il y a tout un mode entraînement pour justement comprendre un peu les règles de base et comprendre comment ça se joue. Alors, donc là j'ai fait tous les pitches. Donc on va changer de type d'entraînement. On va aller sur l'utilisation de la batte. Donc là, il va falloir que j'utilise la batte.
Et donc il va falloir que je bouge, donc je bouge sur ma partie pour bouger le batteur. C'est le batteur, on l'appelle le batteur, celui qui a la batte. Et donc le but c'est évidemment d'avoir le bon timing pour envoyer la balle. On appelle le batteur, ok. Donc Luigi, je vais regarder où est-ce qu'il t'envoie. Ok. Ça, c'est alors sachez que dans tous les mini-jeux de baseball, dans les jeux vidéo, j'ai jamais été très bon à ce niveau-là. J'ai toujours eu un timing de merde. Il est beau celui-là. On va essayer de voir un peu s'il y a des effets différents en fonction de la position. Moi, j'aurais tendance à mettre un peu plus sur la gauche. Pour qu'il tape du bout. Ah ouais, non, c'est compliqué. Je me dis qu'il faut qu'il frappe le plus au bord possible de la batte, non? Le jeu est sorti en France, ouais. Il a la version que j'ai est une boîte de notices française. Par contre, attention, ce jeu n'existe pas en français. Ouais, le jeu du baseball sur PS5, effectivement, avec les cages de frappeurs, là. Ok, on va faire l'entraînement suivant. Je fais tous les entraînements parce que je pense que j'en ai besoin pour comprendre les fondamentaux du jeu. Alors maintenant, c'est l'heure de parler du swing chargé. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je charge mon coup de batte. Bonsoir Azastation. Enfin, je charge mon coup de batte et si je le relâche convenablement, je vais frapper plus fort. Je vais peut-être même mettre de l'effet là-dedans. Ouais, c'est les effets comme les balles dans le tennis. Hein. Et si on relâche A au meilleur moment, on va réussir une balle un peu plus longue et on peut faire un home run. Bah écoutez, sur ma première tentative, j'en fais un de home run. Voilà. C'est beau, hein. Ah merde, fallait que je le maintienne. Le talent naturel du renard, c'est ça. La deuxième, par contre, elle va aller taper le mur, je crois. Non. Ah non, c'est un home run aussi. En fait, j'ai un repère, c'est que je commence à charger au moment où Luigi lance. Mais par contre, faut que je maintienne. Mais pourtant je maintiens. Ah, faut que je charge avant. Faut que je charge avant que Luigi ait lancé. En fait, je l'avais fait juste avant à chaque fois. Voilà, c'est ça. Bon, sauf que là, par contre, elle est sortie des limites. Et là, elle va encore. Je vais encore faire une full ball. Logiquement. Ouais. Elle te compte quand même, hein, mais. Ça, elle est bonne. Ah, quoique, non, elle va taper le mur. Ouais, elle tape le mur. C'est quand même considéré comme un run, mais elle va taper le mur. Ok, très bien. Maintenant, on va essayer le bunt. Je ne sais pas ce que le bunt. Ah, d'accord, c'est l'autre façon de taper la batte, mais avec le bouton B. Ok. Ok. Le dessus du mur, c'est aussi considéré comme un home run. Ok. De toute façon, j'imagine que c'est un home run dès que ça sort en fait du terrain. Mais encore faut-il que ce soit dans le entre guillemets dans le champ de l'espèce de champ vision qu'on voit avec le cône là. Ah merde, je l'ai fait trop tard. Bonsoir en pelote. Bonsoir Thibaut, merci pour le follow. Ouais, mauvais timing. Putain, je l'ai pas celui-là. Alors, il faudrait peut-être que je le fasse plus tôt. Hein. Donc ça, c'est un amorti pour faire gagner une base à un mec déjà en place pour courir, d'accord. Putain, mais je n'arrive pas à le choper celui-là. J'arrive pas à choper le timing du tout. Ah, faut que je le maintienne. Ah oui, hold on, effectivement, oui. Oui, d'accord, effectivement. Hold on, j'avais pas vu le hold on. J'étais persuadé qu'il fallait que je la frappe. Ok, oui, donc celui-là, il y a rien de spécial, ok. Bon, on maintient enfoncé, hein. Good job.
Alors maintenant, on va essayer le Bun Single. Ah non, c'est le Star Swing. C'est un Massive. Un Star Swing Massive. Donc toujours en utilisant les points étoiles là. Ah ouais. Ah ouais, celui-là il déchire. Bon, c'est le même que tout à l'heure en fait. Hein. Ah, lui, c'est pas dit que ce soit ainsi. Non. Ouais, juste après. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau. Oh la vache. Alors, c'est un fall ball malheureusement, mais il est parti tellement loin. Et lui aussi, c'est un faux. Ouais, enfin, c'est une faute du coup. Je sais pas si on appelle ça une faute, techniquement. Et lui aussi, c'est une faute. On va charger un poil plus tard. Voilà, comme ça, là, c'est mieux. On dirait un penalty de Ramos, c'est un peu ça, ouais. Ouais, en fait, faut pas charger trop tôt. Si on charge trop tôt, on va l'envoyer complètement en dehors des... En fait, faut se mettre à charger juste avant qu'il l'envoie. Au pouvoir, parce que j'ai pas l'impression que tu fasses ce que te demande le jeu. Mais en fait, c'est bizarre parce que, oui, effectivement, oui, ils sont pas comptabilisés. Pourtant, je maintiens R. Ah, ouais, non, d'accord. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que je faisais pas comme il fallait. D'accord. Parce qu'en fait, je maintenais les deux. C'est un coup sec sur A pendant qu'on maintient R en fait. Je sais pas pourquoi je maintenais les deux. J'ai failli la renvoyer dans la gueule de Luigi. Hein. Là, Luigi, franchement, je serais lui, j'aurais eu peur. Je l'ai envoyé bien rectiligne, bien droit. Bonsoir Tetsuo. Ok, on va changer de type d'entraînement. On va faire tous les entraînements de toute façon. Le fielding. Là, c'est là où il faut attraper la balle. Ah, maintenant, je vais te montrer comment attraper et lancer la balle. Est-ce que ce jeu avait bien fonctionné à son époque de sortie? En Europe, je suis pas sûr. Bonsoir, Mega Luigi. Alors. Donc, il faut que je bouge le joueur là où la balle va arriver. Et après l'avoir attrapé, il faut que je la renvoie. Je pense que ce jeu en Europe il pouvait pas marcher. Il a peut-être pu marcher au Royaume-Uni vu que bon bah les gens parlent anglais et qu'ils peuvent comprendre le jeu. Mais comme c'est un sport déjà qu'on connaît mal en Europe, avec des règles qui sont pas expliquées dans notre langue, en plus ça n'aide vraiment pas. Du coup, je fais une base. Où est-ce que je dois me mettre? Je dois me mettre là, non? Je dois me mettre... oui, voilà, je la jette... Mais d'accord. En fait, c'est l'enchaînement des différents... des différents positionnements que j'ai du mal à saisir. En fait, j'ai du mal à saisir la logique du match. Comment vont s'enchaîner justement les différentes actions de tous les joueurs. J'ai même pas besoin de courir à une base en fait, ouais. Je pouvais rester sur la même, du moment que je la lance à un autre joueur en fait. Alors, how to get an out. Si on envoie la balle au niveau de la base,
Ah oui, que la balle arrive en fait avant le batteur, d'accord. Ah ouais, c'est plein de subtilités. En fait, c'est le gros problème de ce jeu, c'est qu'il est blindé de subtilités qui sont très 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 compliquées à comprendre pour un joueur pas habitué déjà à ce sport. Et donc là, en gros, faut que je lui renvoie, c'est ça? Merci Vince. Non, faut pas que je lui renvoie. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Parce que là, en plus, il m'affiche plus rien du tout. Donc là, je vais récupérer. Elle est out, ok. Ah oui, ok. Ah oui, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, je fasse en sorte que personne puisse la voir, c'est ça. Je lance la balle en première base à droite. Mais ça a de marcher quand elle est out, hein. C'est ça qui comptabilise. Toujours sur le terrain sont mes joueurs en 1000 batteurs, ok. Alors, on va parler maintenant de la course, le dash. Si on appuie sur B de façon répétée pendant qu'on court, on peut courir, rattraper la balle, ok. Donc j'imagine qu'il faut que je l'envoie, que d'abord je renvoie la balle avec le batteur et qu'ensuite je cours, c'est ça. Alors je vais louper du coup. Est-ce que c'est à moi de le faire ou est-ce que c'est automatisé? Ouais non, c'est Luigi qui le fait. En haut à droite, on voit la position du batteur qui court le long des bases. Ah oui, effectivement. Celle-là, jamais. Attention, quand vous courez, pendant que vous courez après les balles, il est difficile de contrôler un personnage qui court trop vite. Ok. Alors maintenant, on va faire le plongeon. Enfin, le plongeon pour attraper la balle, quoi. Je sais pas comment on peut le traduire en français. Merci Vince, hein, au passage, pour le 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, on est parti. Et donc, on peut presser. Ouais, d'accord, on peut se jeter pour attraper la balle. Ouais, ça, c'est stylé. Le baseball slide. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Voilà, big play, j'adore. En fait, le jeu est super stylé, hein, parce que comme on est sur du Mario... Ah là, je l'ai raté. Comme on est sur du Mario, ça rend le truc fun. Bon, je la mets, je le laisse aussi. En fait, ce que j'ai du mal à piger, c'est qu'on sait pas trop finalement si la balle rebondit ou pas, si ça a une incidence. J'ai pas l'impression. Faut faire quoi? Faut l'attraper avant qu'elle s'arrête, en fait, c'est ça? Il ne l'a pas eu. Là, il l'a. J'attrape la balle avant qu'elle touche le sol, le batteur était mis. Donc, ok, donc les rebonds sont importants. Faut absolument attraper la balle. Et le nombre de rebonds, il a une importance ou pas? On a le base running. Ok. Le rebond du batteur peut courir. Alors, donc on a Y pour faire bouger un runner vers la base suivante, ok. D'accord que les bases, il y en a 4 en tout, hein, c'est ça. T'en as 4 ou 3? Je peux même plus avoir en bas si on en a une ou pas. 4, hein, ouais. Sur X pour amener le runner à courir à la dernière base, ok. Donc c'est automatisé du coup si on appuie sur X, c'est ça. J'aime beaucoup d'ailleurs quand ils ont mis le stops him or her. Ils connaissent pas le them en fait dans ce jeu. C'est him or her, mais them ils connaissent pas. Pourtant c'est un jeu en anglais. C'est dans leur langue qui est un genre neutre, mais bon. Alors, là il faut bouger le runner. Allez, on lui fait faire le tour entier en fait. Faire un tour
parcours complet des bases pour marquer un point. Toi, c'est comment bouger un runner, ok. Un coureur est safe quand il est sur une base, mais peut être éliminé si la balle atteint une base avant lui pendant qu'il court, d'où parfois l'utilité de revenir en arrière pour éviter. Waouh, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. On sort d'Acofit. Sur quelle base vous voulez courir avec. Ok, vous appuyez répétitivement B pour faire dasher le runner. Ok. Qu'est-ce que je fais avec D? Non? Faut bien que je le bouge, non? Ah bah, j'essaie de comprendre un truc. Ah voilà. J'ai l'impression que ça va bien se passer. Si quand même. Mais j'ai pas eu l'impression de courir différemment en vrai. Hein. Et puis vous appuyez sur B le plus vite, le runner courra. Donc, toujours 100% de vous-même à chaque match. Le baseball est un sport ultra tactique et technique. Quand tu connais un peu les règles, c'est un sport super agréable à suivre parce qu'il est réellement en tension. Ouais, j'imagine. J'imagine, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué de l'apprendre avec un jeu de sport Mario comme ça. Alors on va faire quoi? Tous les runners. Ok. Et on peut les faire revenir avec X. Puis sur X pendant qu'ils avancent, il fait s'arrêter. Puis sur Y pendant qu'ils sont en train de revenir, il les arrête aussi. Ok. Yoshi est complètement parti là. Le vrai souci, c'est que faudrait du temps pour apprendre les fondamentaux du sport. Je pense que vaut peut-être même mieux les connaître un petit peu avant de jouer au jeu. Parce que là en fait on a beaucoup de trucs à digérer et quand on regarde le baseball de loin, qu'on connaît pas les règles. On se dit en fait c'est un sport où il se lance des balles. De temps en temps, il y en a un qui avec la batte essaie de l'envoyer le plus loin possible. Il y en a qui essaie de la rattraper en courant, en la chopant avec leur gant avant qu'elle rebondisse. Et tout ce qu'on attend du baseball, c'est de voir un mec faire un home run avec la batte. J'ai l'impression quand on caricature que c'est ça en fait quand on connaît pas le sport. Forcément, du coup, j'en ai jamais fait. Non, en EPS, on en a jamais fait. En fait, le home run est un coup spectaculaire, mais loin d'être le plus commun pour marquer un point. Oui, bah, je me doute que le home run, c'est. Les home run, c'est comme les drops en rugby, en fait. C'est un truc, c'est rare, c'est spectaculaire, mais c'est pas quelque chose de fréquent. S'il va à la place de... Et voilà. Bonsoir Alwena. Bon, ça va quand même être compliqué cette histoire. On va faire un free play pour voir un petit peu. Ah oui, d'accord, il y a effectivement plein de personnages. Ah oui, le roster du jeu est très très complet parce qu'effectivement on a Mario. Donc on a les persos équilibrés, Mario, Luigi, Daisy, Bordeaux, Todd, Maskas, Goomba, Koopa. Les persos techniques avec Peach, Waluigi, un perso à unlock, je ne sais pas qui. Boo. Papy Champi, donc Toadworth en anglais, Dry Bones, donc on peut changer la couleur d'ailleurs, tiens. Ah oui, il y a des Dry Bones de couleur, c'est original. Donc Magic Koopa qui devrait être Kamek, en vrai, parce que le Magic Koopa bleu c'est Kamek. Le Paratroopa, donc les rapides, on a Yoshi, Diddy Kong, Bébé Mario, Paragumba et... Putain, il y a des Noki quoi, il y a des persos de Mario Sunshine dedans. Et d'ailleurs, il y a un Pianta aussi. On peut changer la couleur des Pianta d'ailleurs. C'est ouf. Attends, le Noki, on peut changer sa couleur aussi, mais bien sûr, il y a des Noki de plusieurs couleurs.
On a le roi Boo, on a donc Wario, Bowser Jr. qui est dégueulasse d'ailleurs. Bowser et Donkey Kong dans les puissants, ok, très bien, on va utiliser Wario, hein. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on peut jouer avec Papy Chopin dans le jeu? Je suis pas sûr. Hein. Dans Most Super Soldiers, il y a des persos qu'on a. Merde. Putain, j'ai eu le réflexe au dernier moment. Incroyable. On a des persos qu'on n'a jamais vu avant et qu'on verra jamais dans un Mario, comme King Carol, Tiny Kong, les Critters ou BBDK. Ah ouais! Ouais, les persos, ça change pas mal, hein, franchement. Merde, j'ai raté avant. Donc là, on s'entraîne avec une machine, en fait. C'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est quand même un vrai match. Je vais pas comprendre grand chose à ce qui se passe. Je vais probablement jouer très mal, mais au moins, comme ça, on fera un vrai match. Bon, là, c'est vraiment l'entraînement, donc en vrai. On se barbe l'entraînement. Ah oui, d'accord. Je dis pas que Goomba peut faire des swings. What? Alors, on va retourner au menu principal. Avec Goomba et Paragoomba qui n'ont pas de main, effectivement, peuvent frapper à la batte. Oui, c'est extraordinaire quand même. Bon, on va faire un. Alors, le Toy Field, c'est quoi? Ouais, d'accord. C'est là où il y a des mini-jeux un peu barrés, en fait. On rappellera hein, ce qui est marqué sur la boîte, quand même, ça nous dit. Les superstars du Royaume Champignon se sont donné rendez-vous sur le stade pour revisiter le sport préféré aux États-Unis. Choisissez un capitaine et constituez une équipe avec vos personnages préférés de l'univers de Mario. Chaque capitaine possède un star skill, entre parenthèses talent étoile, en tant que lanceur et en tant que batteur. Vous pouvez aussi lancer des boules de feu comme Mario ou frapper les balles en leur donnant une trajectoire en forme de banane comme DK. Vous ne jouerez plus jamais au baseball comme avant. Pour ça, il aurait fallu qu'on joue déjà au baseball. C'est dit, entre le stade de Donkey Kong Jungle, sans cesse traversé par des tonneaux, et celui de Yoshi Park infesté de plantes piranhas, ça va être du sport. Affrontez jusqu'à 3 amis dans des mini-jeux comme le Bob-omb Derby et le Barrel Batter ou amusez-vous sur le Toy Field, jeu des pièces pour une folle partie de baseball. En mode challenge, parcourez le royaume, utilisez des objets pour accomplir des missions lors des matchs de baseball. Arrangez-vous pour enrôler d'autres joueurs afin de réussir l'épreuve de force finale contre Bowser. Eh ben... Bon, on va déjà faire un match normal, hein. Donc je suppose que je dois choisir, donc je choisis mon capitaine, donc je vais évidemment prendre Mario. Donc le capitaine adverse, ça va être... Alors ça va être Wario du coup. On est d'accord que là, je choisis le capitaine adverse, hein. En l'occurrence. Le capitaine adverse, c'est Wario. Je sélectionne le reste de mon équipe. Donc du coup... Ah oui, donc je suis là et puis je choisis effectivement les 7 autres joueurs. Donc j'imagine qu'il faut quand même avoir des persos équilibrés en fonction des postes. On doit faire une composition qui est tactiquement... qui a du sens, je suppose. Bon, moi, n'ayant aucune idée de ce qu'il faut mettre à tel ou tel endroit, je vais faire une team des gentils contre une team des méchants, et puis voilà. On va mettre Yoshi et Bordeaux ici. À quoi que Bordeaux n'est pas dans les gentils. Il n'y a pas tant de gentils que ça, en fait. Hein. Toadsworth et ouais, il y a Baby Mario. Et on va mettre un Pianta. Allez, on va mettre un. Je prends des personnages rapides au fond du terrain car c'est eux qui vont courir pour attraper la balle. Oui, ça paraît effectivement logique. Donc en fait, je devrais plutôt mettre Yoshi là-bas. C'est ça. On enlève un perso. On peut en mettre un autre à la place en fait, c'est ça. Le rire du Pianta est extraordinaire. Et puis que je change ta formation en cours de match, d'accord. Et je suppose que l'équipe adverse, ça c'est le jeu qu'il a. On peut mettre en random en vrai. Hein. Alors j'ai randomisé l'équipe adverse. Donc j'ai l'équipe, j'ai les Mario Fireballs, d'accord. Donc en fonction de chaque capitaine, en fait, ils équipent un nom différent. Il y en a les Wario Garlix, bah oui, évidemment. Alors, le niveau du CPU, bon, on va mettre en régular, hein, on va pas... Et donc on choisit... Ah ouais, c'est vraiment les compos... Putain, j'ai l'impression de jouer à PES, c'est dingue. Donc on choisit dans quel ordre ils vont jouer. Ok. Est-ce que je laisse l'ordre de base? On va laisser l'ordre de base. C'est les... Oui, Bordeaux, c'est les Girondins de Bordeaux. Oui, bravo PJ, allez, on va faire vite à ceci. Voilà. Les notes de musique, c'est l'affinité des personnages. Bon, de toute façon, je vais jouer avec la compo de base, je vais bien voir comment ça se passe parce que moi je pense que je vais certainement
pas du tout faire ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Donc on a le Mario Stadium, le jardin de Peach, un stade, enfin un terrain au Royaume Champignon avec des blocs qui volent, Wario Palace, un stade opulent construit avec les richesses volées au, à la sorte du front de Wario, le parc Yoshi, un petit parc infesté de plantes piranhas, la jungle Donkey Kong, une jungle sauvage avec des tonneaux et des claptraps, et ça c'est le château de Bowser, mais on peut pas y aller. On va prendre le... En vrai, le Mario Stadium, j'ai envie de dire, on y a joué déjà dans l'entraînement, donc au pire je vais prendre un... On va prendre le Yoshi Park, allez. Ouais, non, parce que je connais pas les musiques, donc écoute, on va aller sur Mario Stadium pour voir un peu. Ah oui, je peux changer qui batte en premier, du coup. Écoutez, on va voir. Et le Mercy, c'est quoi, du coup? Parce qu'en Mercy, c'est la pitié, mais c'est quoi? Pareil pour les innings. Bon, il y a les Star Skills qui sont activés, ok. On va laisser les paramètres par défaut, on va voir comment ça se passe. De toute façon, comme je vous dis, je vais certainement pas forcément comprendre grand-chose à ce qui se passe. C'est le gros problème, c'est que je pense qu'il faut du temps pour intégrer comment ça se passe. Mais ça m'a l'air, en tout cas, pour les gens qui connaissent le baseball, ça m'a l'air d'être plutôt bien fichu. Ça, c'est à moi de l'envoyer. Okay, donc là, elle est out. Je sais qu'il y a trop d'écart en points et que ça sert à rien de continuer le match. Ah oui, c'est le côté, on peut déclarer forfait si on est trop dans la mouise, quoi. Merci Otami pour le 34e mois d'abonnement. Voilà. Mais voilà les meilleures musiques d'un jeu de Mario. Ouais, elles sont cool, hein. Alors, est-ce que les strikes me font gagner des points, du coup? Ou est-ce qu'il vaut mieux que Waluigi arrive à renvoyer? Gagne des points étoiles à la fin d'une manche, ok. Moi je connais moins de variété en jeu sportif avec Mario. Bah, quand même, hein, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Hein. Ce qui est dommage, ce qui est étonnant, c'est de pas avoir plus de jeux de basket, il y en a qu'un seul et il est sur DS, quoi. En fait, les seuls qui sont constamment là, c'est tennis et golf. Qui sont là depuis le début d'ailleurs. Alors, donc on a une. Ok, j'ai mis 3 joueurs, donc c'est à moi de frapper. Ok, très bien. Ah, elle est dehors. Quand elle est dehors, évidemment, j'imagine que ça ne sert à rien. Bon, là, il va la voir. Allez, on le fait avec... ah oui. L'effet qu'il y a avec Peach est magnifique. On va la récupérer. Il y a un superstar matchup, donc là c'est les deux capitaines qui s'affrontent. C'est d'où le superstar matchup. Bon alors, je vais être honnête, je comprends pas grand chose à ce qui se passe, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le jeu est très agréable à jouer. Ça a l'air de plutôt bien répondre, d'être bien précis. En termes de mise en scène, il est chouette. Je pense que quand on kiffe le baseball, ça doit être vraiment sympa. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes dans le chat là, qui ont l'air de s'y connaître un peu en baseball et qui ont l'air de kiffer. Du coup, vous aurez tendance à me dire que ouais, c'est vraiment un bon jeu quand on... Ah ouais, je pouvais jamais aller chercher celle-là. Mais ouais, c'est un bon jeu soit pour découvrir le baseball, soit... Ouais, je l'ai attrapé, donc là faut que je la relance à personne en fait. Ouais, il fallait que je prenne la balle parce que sinon j'essaie de la bien marquer, ouais, d'accord. Donc là faut que j'aille la chercher, s'il arrive à l'envoyer, il l'a pas eu, ok, très bien. Ouais, parce que Wario a fait le tour, c'est ce qu'il aurait fallu que je regarde en fait. Faut être attentif à plein de petits détails un peu partout en fait.
Bon gros whip, j'aime le baseball, ça m'étonne pas de toi, Otani. Ah merde, il a plongé, mais ça a pas marché. En tout cas, je pourrais pas. Oh putain, le Goomba avec sa batte, il est incroyable! Le Goomba avec la batte, c'est vraiment très drôle. Allez, on va faire ça. Sans, voilà, il peut rien faire là-dessus. Le Goombat, joli, j'aime bien le Goombat. Allez, on applaudit. Ah, merde, le strike, mais la lutte. Puis ils ont tous une batte de baseball à... Comment dire, avec leur logo et tout. Le pouvoir de la magie, tout, c'est ça, le Goomba utilise la force, hein, complètement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. La seule expérience du baseball d'avoir regardé un match IRL, ah bah c'est déjà pas mal. Bonsoir Tomouf. Par contre, il dit quoi Mario? Parce qu'à aucun moment il dit strike, on a l'impression qu'il dit steak, mais je sais pas. C'est trop bizarre. On a beaucoup sous-estimé les Goombas, mais de ouf. Oh, celle-là elle est belle. Donc là, faut que je la renvoie. Ah non, c'est trop tard. Ah, c'est là qui tue qui parle, c'est pour ça. Donc là, on a un replay de ce magnifique coup. Mais donc là qui tue a une voix, c'est ça qu'il faut savoir en fait. Personne là, hop. Ouais, il faut pas que je la relance, hein. On a l'impression qu'il dit strike, ouais c'est bizarre. Moi j'ai l'impression qu'il dit steak, je vous jure j'ai l'impression qu'il dit steak. Ou strike, peut-être strike, mais bon il dit pas strike. Oula. Avec une voix qui est appelée, donc c'était caché. Exactement, c'est ça, voilà. C'est du gros niveau ce chat hein, quand même. Steak. Mais ouais, il dit steak. Ah, Waluigi. Regardez Waluigi avec sa belle batte violette. Et bah, c'est pas beaucoup mieux Waluigi. Hein. Ah, tiens, je vais essayer de refaire un amorti comme tout à l'heure là. Allez, je vais récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette balle? Qu'est-ce qu'il a fait, Waluigi? Je rêve où le Waluigi m'a envoyé deux balles. Ça, c'était un peu nul. Toad manque un peu de puissance. Allez, hop. Attention. Merde. Il y a 3 Golden Run en match. Hein. On a essayé, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Allez, avec Luigi, on y croit. C'est Luigi qui va nous faire un home run. Merde. Ah oui, d'accord. J'aurais dû le déplacer avant. Parce qu'en fait, c'est vrai que. Faut sentir voir les. Faut sentir les coups que l'autre va mettre quand même. Hein, parce qu'il va mettre des petits effets un peu. Un peu comme. Comme Boo et ses coups slicés dans Mario Tennis. C'est content du petit amorti là. Comment ce qui se passe, il faut aussi regarder le losange. Oui, il y a le losange avec les, la progression des batteurs effectivement, mais c'est pas évident de tout suivre en même temps. Hein. Il y a beaucoup de choses à assimiler en fait quand on joue à ce genre de jeu. C'est un petit peu le souci. Oh Yoshi. Non. Alors lui, il va renvoyer fort. Voilà, personne peut y aller. Mm-hmm.
j'ai très très hâte de voir dans la VOD des gens qui vont analyser ce que j'ai fait et dire alors en fait tel truc t'aurais dû faire comme ça, parce que quand c'est un sport qu'on ne maîtrise pas et qu'on comprend pas, on fait beaucoup d'erreurs je pense. Putain, mais la batte de Papy Champi, elle est extraordinaire en fait. C'est même pas une batte, c'est un sceptre avec un champignon au bout. Merde, j'ai voulu charger et je me suis coincé le bouton. Ouais, c'est sa canne en fait, exactement, il utilise sa canne comme batte. Mais ouais, la mise en scène du jeu est vraiment chouette, hein, je trouve. Le mec utilise la baguette comme batte, ouais, c'est ça. Ah, j'ai eu un nice. Tiens, je voulais la faire plonger, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut que je les attrape quand elles arrivent comme ça ou est-ce qu'il fallait pas? Je crois qu'on se rend compte que les Américains adorent les stats. Je suis un peu au stade baseball avant, ils font des stats pour tout et n'importe quoi pour les joueurs, c'est limite flippant. Si, c'est ce qu'il fallait faire, on est d'accord. Ah, dommage. Dommage, j'ai envoyé un poil trop. C'est mieux si on chope en plein vol, on est d'accord. Merde. Faut que je charge pas comme ça. Oh, Yoshi. Putain, Yoshi qui s'est cassé la gueule. Oh, et Wario, il me l'a... Oui, d'accord. Pas évident d'anticiper comment Wario va... Allez, hop. Les Dunkin, ils aiment les stats. Les stats, ah oui, d'accord. Les stats, les stats. Oh, la vache. Bonsoir, Gikomaria. Merde. J'ai rechargé avant. Je fais trop d'erreurs. Ah! Il a mis une espèce d'amorti, ce petit bâtard. Et évidemment, là, je me suis laissé savoir parce que j'ai cru à un nouvel amorti, mais non. Mais après, ouais, je suis pas étonné qu'il fasse des stats pour tout n'importe quoi, mais quand vous regardez les matchs de foot et que vous voyez la quantité de stats qu'on a à chaque match, le but, c'est quand tu frappes, c'est de pas tenter de la frapper si tu sens qu'elle est hors du centre. Il y a une zone invisible jugée par l'arbitre. Ah! Bonsoir, Koso. Cyberpunk est gratuit ce week-end, la version PS5 est bien. Oui, maintenant le jeu est beaucoup plus propre. Putain, le Paragoomba, c'est pas mal non plus, hein, en termes de flow. C'est un duel mental entre le lanceur et le batteur, c'est ça. Je suis assez choqué de te voir jouer à ce jeu, ça arrive tellement peu de le voir. Ah bah oui, je pense que c'est un jeu qui doit pas souvent être streamé, surtout par des streamers européens. Ça correspond à ça, les... Ah mais oui, les BLS, c'est vrai que j'aurais dû vous demander c'était quoi en fait. Yoshi qui a récupéré la balle avec sa langue, c'est génial. C'est très drôle. Les Américains sont pas fans du soccer car il n'y a pas de pause pour mettre les pubs à part la mi-temps. Ah, c'est pour ça qu'en fait ils préfèrent les sports avec des tiers-temps, des cartons et tout. De toute façon, 95% de tes streams à chaque fois t'es solo dans la catégorie Twitch. Ah bah quand je fais les jeux du Marioton, oui c'est clair que je suis... Il y a de grandes chances qu'effectivement je sois seul dessus. Hein. Mais franchement le jeu a l'air fun. C'est un jeu, si je m'intéressais plus à ce sport et que j'en connaissais et maîtrisais les règles, je pense que je le kifferais bien. Ça m'a l'air vraiment un très très bon jeu pour... Est-ce que Monster Sluggers est dans la liste? Bien sûr, bien sûr. N'oubliez pas, il y a une commande Marioton dans le chat pour avoir la liste de tous les jeux qui seront joués. Et vous verrez que Mario Super Sluggers dedans. Je l'ai, hein, Mario Super Sluggers, je l'avais acheté d'ailleurs, ça ne s'invente pas à New York. Les pubs pour vendre de la bouffe et des bières durant les temps morts, bah oui, c'est ça. Si je vous dis, il y a l'air d'avoir des jeux rigolos aussi. Mais un match, c'est long, hein, en vrai. Ah, allez, un nouveau superstar match-up face à Wario. Ouf. Bon, alors là, Wario, par contre, fall ball complet, hein, oui. Dans la tronche.
Ça s'appelle comment l'équivalent du Super Bowl pour le baseball? Parce que j'imagine qu'ils ont une grande finale comme au foot US. Oh Daisy, non, t'as pas le droit. Les World Series de MLB, oui, voilà, la Major League Baseball. Ouais. Non mais les poses de Luigi, mais on se croirait dans Smash, sérieux quoi. Luigi est un mème constant, c'est incroyable. Alors là, par contre, l'effet est un peu merdique. Oh putain, avec le Noki, quoi. Le Noki et sa petite canne, c'est très mignon. Dommage. Luigi est le mème original, c'est ça. Oh, dommage. Ah, le double play, triple play, ouais. C'était beau, c'était très très beau ça. Et ça, ils finissent là-dessus en plus. Le dernier coup du match était magnifique. Hein. Derek, tu es à Tokyo en mai, je te conseille fortement d'aller voir un match, je pense que pour les sponsors. Alors, c'est pas prévu, mais ça peut faire partie du truc à noter pour la prochaine fois que j'irai. En vrai, j'ai jamais été voir du sport au Japon, du coup les fois où j'y suis allé, mais ça peut être un truc à faire la prochaine fois. Bon, du coup j'ai perdu 8 à 5, c'est ça? Ah oui, il y a le scorebook, donc il y a toutes les stats, c'est ça? Ah oui, c'est là qu'on a effectivement toutes les stats. 3-0, mais alors du coup c'est quoi le 8-5 à droite? Élite, d'accord. On va regarder un peu les mini-jeux un peu originaux. Pour voir un peu comment ça se passe. Bon, le challenge, j'imagine que c'est... On est d'accord que le challenge, c'est un tournoi, en fait. Ouais, il y a le Toy Fig, il y a les mini-games. C'est le mode histoire, d'accord. Alors, on a le Bob-omb Derby, le Wall Ball... Ah oui, il y a plein de mini-jeux. Ok, bon, on va en tester quelques-uns vite fait. Black Mario, bien sûr. Vous avez 10 opportunités de faire des home runs. Ok. C'est pas un escape pour une ligne, il faut que tu choisir plus de billets d'avion pour ton voyage au Japon. Les billets d'avion, il y en a pour 1200 balles aller-retour. Et loisirs, bah en fait le problème c'est que c'est pas... Il n'y a pas de budget vraiment défini à la base. En fait je vis en grande partie avec mon budget du mois, puis bon je m'accorde quelques extras éventuellement. Oh, il est beau celui-là. Ah, il était très très beau. Non, dommage. Tarantos sont giga forts, mais il faut les unlock. Ah oui, d'ailleurs, il y avait l'air d'avoir beaucoup de persos à unlock hein, dans le jeu, en plus. Oh, il est beau, lui aussi, hein. 260. Merde. Spoiler alert, la batte des frères marteaux est un marteau. Ah bah quelle surprise! Oh elle est belle! Je peux peut-être la voir la target hein, en vrai. Si je me loupe pas sur la dernière. C'est bon, j'ai réussi la target du coup. Voilà, il y a des allers-retours effectivement qui peuvent coûter dans les 600 balles avec des escales, mais quand on veut des vols directs. Notamment par Air France, c'est rarement donné. Hein. Donc ok, donc c'est là qu'on débloque les niveaux suivants. Ah dommage.
faut. Les logements, bah en vrai, les logements, nous on a trouvé des hôtels qui sont pas très 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 chers, hein, finalement. Alors, je sais pas si on a eu du bol ou pas, mais. Ah, les fous. Voilà. Ah, c'est vrai que le Japon, moi, bon, déjà, on voyage à plusieurs, donc. Des logements et tout, c'est plus rentable. Et moi, j'ai eu beaucoup de bol la première fois que j'y ai été. En fait, j'étais hébergé chez un pote qui bosse au Japon, qui y habite. Et du coup, j'avais passé deux semaines en ayant juste mes deux nuits à Kyoto, quand j'avais été à Kyoto puis Osaka, que j'avais payé. Oh, le petit bâtard. Allez, on a encore une chance, ça devrait aller. Ouf! Ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'il la joue à la fin. Waouh! Allez, voilà. C'est plutôt fun, hein. En fait, le vrai problème, c'est que ce que je trouve vraiment fun dans ce jeu, c'est essayer de faire des home runs. Je sais, c'est très très cliché, hein, mais. Voilà, attendez, on va changer de minigame, on va regarder un petit peu les autres qu'il y a pour faire le tour. Alors on a le World Ball, voyons voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc ici, il faut tirer sur les murs avec le Charge Pitch pour gagner des pièces. On a 3 tours, ok. Ouais, malheureusement, le problème c'est que je gère pas, ça a explosé, ça c'est chiant. Si j'avais eu 19, j'aurais été vraiment bien sorti. Ah bah, comme ça on peut voir d'autres terrains, là c'est notamment le terrain du château de Peach, ok. Incroyable la orchestration. Oh, il était beau celui-là. Le Nai se sert à. Après, de toute façon, c'est comme. J'ai envie de dire, c'est comme tous les jeux de sport basés sur l'univers de Mario. On a plein de mini-jeux qui sont basés effectivement sur les mécaniques de jeu du sport en question. Un autre pays qui a une grosse culture de baseball, c'est la Corée. Ah ouais, aussi ? Oh, le malus qu'on se prend quand on tape la case Bowser. Eh ouais, Todd a évité la case. En gros, moi je suis niqué là. Bah ouais. Du coup, je suis dernier, ouais. Ok. On fait un petit tour, hein, Le Shenzhen Sprint. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Des gemmes pendant que le gem champ se repose. On réussit, si on a récupéré, à avoir un max de gemmes durant le temps à part. Les clients sont assez balèzes en home run, je l'ai pas pigé. Ah, donc là on a le stade, le Wario Palace. Ah merde. D'accord, faut les collecter pendant. Il y a un petit côté jeu de Mario Party, je trouve. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière. Ah merde. Oh, il y en a qui va se faire plaisir là, d'accord. À quel moment on est passé de Mario Super Stars Baseball à Mario Party? À partir du moment où c'était Mario. Oh, le champignon qui fait courir vite. Power up, ouais, d'accord, quand les champs se réveillent, faut absolument s'arrêter, c'est ça. Il y a un milieu de Mario Party qui est comme ça. Ah,
Bon, j'ai encore fini 4, ok. J'imagine que ça peut être fun à jouer à 4, je suppose. Bon, je suis moins fan des mini-jeux, je vous avouerai que le Bobomb Derby, je trouve ça cool. Alors maintenant, il faut mettre des plantes KO avec des œufs de même couleur. Ok, que c'est si vous lancez des œufs de la même couleur sur les plantes Piranha, vous gagnez des points. Et si vous leur envoyez un œuf de la mauvaise couleur, elles vous envoient des boules de feu. Et c'est vous, et évidemment, celui qui a le plus de points à la fin l'emporte. Okay. Là, on est dans la route de lanceur en fait. Et on est sur le. Sur le parc Yoshi du coup. Alors j'ai un œuf vert. Je lance là-bas, ok. D'accord. Ah oui. Non. Ça, j'ai compris. C'est vraiment du Mario Party dans le texte. Mais quand il y en a des. Ah oui, d'accord, parce que quand il y en a qui sont de mauvaise couleur, on fait quoi en fait? Quand on est sur la violette, en fait, on la bourrine, c'est ça. Merde. Belle série d'en rattraper. Merde. Quel énorme bordel. Bon, moi je suis pas dernier. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir acheter une étoile au prochain tour, c'est clair. Ah, il y a d'autres jeux. Ah, il y a d'autres mini-jeux à débloquer. Et il y a le Barrel Batter aussi. Alors donc il faut envoyer les balles qui sont tirées de la machine et viser des tonneaux pour... D'accord, ok. Donc on est évidemment sur l'arène de Donkey Kong. C'est bien parce que du coup ça permet de faire le tour des différentes arènes, comme ça on les voit. Ah zut. Merde. Faut faire des combos hein. Allez. Ah, j'ai raté sur la dernière balle de match. Bonsoir Xperi. Oui, il y a un jeu Mario Baseball sur Wii aussi. Il y en a deux. On va essayer de le réussir à nouveau parce que du coup j'avais mal compris dès le début, mais après ça s'est mieux passé. Ah, mais non, mais je suis con. T'es beau celui-là. Alors j'imagine que ceux qu'on tape avec le bobon, enfin les tonneaux avec le bobon sont plus importants. Merde. Ouf, la dernière complètement loupée. Ah, c'est pas si évident que ça. On va regarder l'autre interface de mini-jeu parce que visiblement il y en avait une autre. Ce qui m'intrigue du coup parce que il y avait ce truc des mini-jeux mais visiblement il y en a un autre. Avec un écran de chargement qui effectivement ne rame pas contrairement à Princess Peach Showtime. Donc c'est là, voilà, donc le Toy Field, c'est là que j'ai été, hein, le Toy Field. J'ai un doute. Ah non, c'est pas. Non, le Toy Field, c'est pas ça. C'était en mini-jeu, ok, donc on va aller dans le Toy Field. Donc le Toy Field, je choisis des CPU. Luigi.
et Wario. Alors quoi, il faut gagner des pièces, ok. J'entends que batteur. Ah oui, donc d'accord, on les alterne tous. Ensuite, il y a le plus de pièces qui gagnent. Je suis pas sûr de tout comprendre, hein, mais c'est pas grave, c'est rigolo. C'est rigolo et je pense qu'en vrai, c'est très certainement un bon jeu, hein, pour les gens qui sont dans le délire. On commence tous avec 100 pièces par contre. Et donc là, faut que moi je me. Impossible d'aller la chercher là. Ah oui, d'accord, c'est des cases en fait, elle tombe sur des cases, ok. Bon, eux qui se grattent les fesses avant de frapper. Ah, donc Wario peut récupérer les pièces à ce moment-là, ok. Le strike, j'ai toujours du mal à m'y faire, hein. Il est absolument invraisemblable. Ok, on appréciera le bon jeu d'équipe entre Wario et Luigi sur ce coup-là, vraiment. Que des strikes, super. Évidemment. Donc le Luigi s'est fait niquer dans l'histoire. En plein dans la tronche de Waluigi. Le jeu n'a pas fonctionné en Europe pour qu'elle suite sur 3 chez nous, je pense, ouais. Bah, le simple fait que déjà le jeu ne soit pas localisé en dehors de l'anglais n'a pas dû aider parce que du coup, bah. Tous les joueurs français, allemands, espagnols, italiens qui consomment quand même pas mal de jeux Nintendo, à moins de parler anglais, ils étaient quand même pas à l'aise avec. Et puis en plus, c'est un sport qui n'est pas du tout populaire en Europe. Donc, je suis même étonné que ce jeu, il est quand même sorti en Europe. Mais c'est vrai qu'en faisant pas l'effort de le traduire pour qu'au moins les gens qui parlent pas anglais puissent comprendre. Déjà, en vrai, c'est un jeu, même quand vous parlez anglais, c'est pas gagné de comprendre ce qui se passe. Hein. Allez, ça me fait passer en tête, trop bien. Quand je l'avais acheté, c'était le seul exemplaire en magasin, tu m'étonnes. C'est vraiment étonnant qu'il l'ait sorti. Hein. Le shot, c'est même pas à moi d'appuyer. Trop bien, j'ai les étoiles. Je sais pas à quoi ça me sert, mais j'imagine que c'est bien. Ah ouais, c'est vachement bien, ouais. Ah ouais, c'était très très bien. Faut que je batte à nouveau, ok. Et les pièces sont multipliées par deux sur ce coup-là. Ah merde! Évidemment, il m'a fait un amorti, ce petit bâtard. Luigi, je te déteste! Faux frère! En plus, c'est Luigi qui prend les points là. On a une game update à un tiers du jeu, ouais, d'accord. C'est quoi? Il y a un système de tiers-temps en baseball ou ça se passe comment? Parce que là, je vois qu'on a un point score au bout de 10 tours sur 30. Donc. En France, on préfère jouer à la tech? What? Oui, c'est un mini-jeu qui n'a rien à voir avec les règles du baseball, mais je me suis dit qu'ils avaient peut-être divisé en tiers-temps pour coller avec... Oh, il est beau celui-là. Ouais, là Wario reprend la tête du coup. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 30 tours, mais je me suis dit que justement, comme il faisait un point tous les 10 tours,
C'est peut-être parce que c'était pour coller un potentiel système de tiers-temps qui serait dans le vrai... Non, je connais pas la tech, vraiment. Je sais que je suis peut-être... Je passe peut-être à côté de quelque chose, mais ça me dit rien du tout. Non, ça me dit rien. En même temps, c'est pas comme si j'avais des souvenirs super quali dès que ça touche à l'école, au collège. Le bruit de prout, c'est le bruit de Wario, je pense. Mais c'est quoi du coup la tech? Parce que ça me dit rien. Alors moi, je suis content de voir qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Ah, mais Luigi, dégage. Oh, la bombe, elle va être pour Wario. Et ouais, Wario, du coup, se bouffe un malus. Bien fait. Luigi, il a que 5 pièces, à prendre dedans, pourquoi il va dans Smash? Le pauvre Luigi. La tech est un sport similaire, un jeu sportif similaire au baseball. Se pratique notamment dans les écoles, dans les centres de vacances et d'azur, sur la plage avec un minimum de matériel et d'origine normande en ce qui concerne la France. Ouais, bah du coup, ça expliquerait pourquoi j'ai jamais eu l'occasion de jouer. C'est une espèce de baseball avec règles simplifiées et sans battre. Donc, je connaissais pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'instant, à la moitié de la game, j'ai le double de points du deuxième, en n'ayant aucune idée de ce que j'ai fait. Vraiment. Là, je fais un beau hit en plus, voilà, je marque des points, très bien. C'est une pelote basque sans les basques. Ouais, ça fait un peu penser à ça en vrai. Je suis en train de penser que les raquettes de plage Mario que j'ai, elles étaient peut-être faites pour ce sport-là, en vrai. Maintenant sur le zone run. Je suppose que le HR c'était pour Omrod. Donc là on va avoir un point score j'imagine. Est-ce que la tech c'est tonique? Ah non mais vous êtes en forme ce soir. Hein. Donc point score, je suis toujours en tête. J'étais en tête après 10 tours, je suis en tête après 20, vous allez voir je vais perdre. Le pire, c'est que j'ai pas l'impression de particulièrement briller. Mais bon. Mais le jeu, il m'a l'air d'être hyper complet, hein, franchement. Ouais, ouais. Je vous dis, moi, c'est sûr que c'est pas un jeu sur lequel je vais passer longtemps. Mais je trouve que pour les gens qui aiment ce sport, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un hommage au même niveau que les Mario Tennis, Mario Golf et compagnie. C'est très, très solide. Il y a beaucoup de choses. Le mode solo a l'air d'être bien complet. Et c'est bien documenté, en vrai. Toute la partie tutoriel pour expliquer comment ça fonctionne, elle est vraiment bien foutue. La logique voudrait que je me fasse griller la victoire à deux tours de la fin, évidemment. Ça ne peut pas se passer autrement. Oh, le perfect de Wario là. Oh, il est beau. Le loop de la musique, au d'un moment, on aimerait bien voir autre chose quand même. Alors on a eu un nice et presque un perfect en retour. Ouais, Wario revient au score. Hein. Il reste que 4 tours. Vous allez voir, effectivement, Ours a raison. Je vais me faire griller la victoire à 2 tours de la fin. Il va gros comme une maison. Il y a Wario qui peut aller la chercher, d'ailleurs. Alors là, ça va être le... Attention. La carapace rouge, qu'est-ce qui va se passer? C'est Luigi qui s'est fait niquer. Pauvre Luigi qui a rien demandé à personne. Oh là 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 là, regardez, Wario il est revenu à 2 points. Putain, Ours il a complètement raison. À 2 tours de la fin, je vais me refaire passer par Wario, c'était écrit.
avec les coins x2 en plus là. Allez, voilà. Et ouais, Wario l'a eu, et Wario il va taper un... Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, Ours avait complètement raison. Wario s'est fait ultra plaisir sur la fin. C'était écrit, ça pouvait pas se passer autrement. À moins que le point d'interrogation soit un malus pour Wario, qui sait. Ah non, les étoiles c'est mort. Voilà, c'est complètement scripté. Luigi est retombé à zéro. Luigi à zéro pièce. Luigi qui s'est complètement fait miskin, c'est incroyable. C'est vraiment terrible. Luigi, c'est le mendiant, c'est ça exactement. Oh là 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 là, terrible, terrible pour Luigi. Allez, est-ce que Waluigi... Vous allez voir, Waluigi va me passer aussi sur ce coup-là. Moi, c'est moi qui vais avoir un malus à tous les coups. Bah voilà. Bah voilà, je me fais battre pour un point par Waluigi. C'est absolument scripté. C'est un scandale absolu. C'est pire que Mario Party. C'est encore plus truqué que Mario Party. C'est honteux. Rien que pour cette raison, j'arrête de jouer après ça. Bon, en même temps, j'avais prévu de passer au jeu suivant après ça. Mais c'est scandaleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce dernier coup ? Des pièces, ouais, super, on va aller chercher les pièces, que je suis trop content. Allez, Luigi, Luigi a réussi à avoir quelques pièces. J'ai pas réussi à rattraper Waluigi. C'était mon opportunité de repasser devant Waluigi, mais j'ai pas réussi. Ouais, les scripts bien grossiers quand même. Non mais, Wario finit avec plus de points que les trois autres cumulés, quoi. Il y a un record du Toy Field, super. Bon, on revient au main menu. Et je crois qu'on a vu, hein, de toute façon, tout ce qu'il y avait à voir de base, parce que l'Exhibition Game, donc on a testé tout à l'heure, le Challenge, c'est le mode histoire, ok. Bon, le mode histoire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le lancer, je pense. Hein. Non, ça compte pas, je pense pas que ça compte comme une mort, ça. Vous voulez que ça compte comme une mort ou pas? Parce que techniquement, le mode... techniquement, par contre, le match que j'ai perdu... Le match que j'ai perdu en mode exhibition, lui, il compte comme une mort, ouais. Lui, je pense qu'on peut considérer qu'il compte comme une mort. Donc les records, les options, tout ça. Et le mode challenge, du coup, c'est un mode histoire, alors. Ouais, le type de buzzer. Et du coup, on est capitaine et on choisit les joueurs... Je regarde quand même à quoi ça ressemble, vite. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est ça, il y a une cutscene. Every day the gang gets together. Mario and the gang. Et ils reçoivent une invitation sur une enveloppe rouge avec du noir dessus. Et dedans, il y a une calling card. On dirait presque ça, hein. c'est drôle. Donc ouais, c'est ça, donc on a effectivement donc là on a tout un mode scénario où j'adore, il me dit je suis un peu inquiet au niveau de ton équipe, surtout qu'il a dit à la fin et ton frère. Est-ce que tu es sûr que c'est l'équipe que tu veux? Il nous explique un petit peu effectivement qu'il faut former une équipe, que battre les autres types nous permettra de rencontrer l'équipe de Bowser et que même les rivaux des équipes adverses peuvent nous rejoindre si on les impressionne. L'équipe de 9. Assurez-vous de pouvoir affronter Bowser avec votre meilleure équipe de 9. Et donc ouais, il y a un hub. Il y a un hub, c'est très rigolo. Ah oui, et puis d'accord, ah oui, il y a un mode scénario complet, ouais. Bon, le mode scénario, on va pas spécialement laisser parce que de toute façon, je pense pas que ça ait fondamentalement un intérêt phénoménal par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Mais ouais, c'est le jeu m'a l'air vraiment bien complet, hein. Ensuite, c'est affronter les autres équipes, remporter des défis pour recruter leurs joueurs et faire la meilleure équipe pour vaincre celle de Bowser. D'accord.
Ouais, non, ça m'a l'air bien fichu. Hein. Il y a un choc, j'imagine, pour en fonction des pièces qu'on a récupérées à chaque match et des objets, je suppose. Ouais, effectivement. Ouais. Ah oui, on peut avoir des meilleurs bats en plus. le gant de la chance. C'est parti du lore GameCube, on reconnaît Sunshine et Volcan Double Dash, mais oui. C'est vrai que c'est complètement le volcan, effectivement, de DK Mountain de Double Dash, ouais. Le château de Peach, bien évidemment, aussi. Ah oui, donc on peut jouer au mini-jeu aussi, et tout, ouais, c'est... Ouais, c'est très 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 complet, tout ça, hein. Le pass de Wario fait penser à Wario World. Vous voyez un peu Wario World qui est un jeu qu'il faudrait que je refasse. You're out of luck. Mon charisme est inarrêtable. Ok, bon, on va pas continuer le mode histoire parce que de toute façon il y a plusieurs jeux auxquels il faut jouer ce soir, mais ça donne un premier aperçu de ce qu'est Mario Superstars Baseball. Il faut que j'arrête de dire Mario Superstars Baseball, c'est Mario Superstar Baseball tout court. Et ma foi, c'est... Bah écoutez, c'est pas mal hein, du tout. Franchement, je vais pas vous mentir, au début je me suis dit c'est un jeu sur lequel je vais passer peut-être une demi-heure grand max, parce que comme je comprends rien à ce sport et que je comprends pas comment il fonctionne, je vais peut-être faire de la grosse merde. Mais en vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Mario Anti-Star Baseball, ouais, exactement. On va mettre à jour les jeux à faire, on est donc à 96 désormais, et il en reste 113 à la fin. On va passer... C'était l'époque où je crois que la DA des persos est un peu fade. Ouais, elle est pas extraordinaire, on sent que il y avait encore du taf pour améliorer tout ça. On va ranger Mario Superstars Baseball. Comme dit Ours, voilà, Ours dit j'ai rien capté, mais en vrai ça a l'air bien comme jeu comme Mario Tennis. C'est ça, je pense que quand on comprend et qu'on apprécie les règles du baseball, j'ai l'impression que c'est un très bon jeu. Ça m'a l'air d'être vraiment complet, c'est à l'image de tous les Mario Sports, voilà, c'est ça. Exactement, comme le dit Deadvier, comme tous les Mario Sports de la GameCube, c'est l'âge d'or des Mario Sports, la GameCube, ouais. Et bah oui, parce qu'il y a un Mario Tennis et un Mario Golf qui sont très bons, mais il y a un Mario Foot aussi, c'est la première fois qu'il y a un Mario Foot, il y a un Mario Baseball. Par contre, le Mario Basket n'est pas dessus. Le Mario Basket, il est sur DS, étrangement. On va passer à un autre jeu qui n'a rien à voir et sur lequel, comme j'ai dit, on va pas s'éterniser parce que c'est un jeu qu'on a déjà vu 5 fois, hein, littéralement, depuis le début de ce Marioton, puisqu'il s'agit de Dr. Mario et Puzzle League. Qui dit Dr. Mario et Puzzle League dit donc Dr. Mario, parce que la partie Puzzle League, on n'a pas besoin de la jouer normalement, il n'y a pas Mario dedans. C'est Puzzle League, c'est ni plus ni moins que Panel d'Epone, hein, le jeu qui a inspiré Tetris Attack, qui a inspiré Pokémon Puzzle League aussi. Et du coup, ce jeu-là n'est pas fondamentalement intéressant dans le cadre du Marioton. On va déjà, une fois de plus, réutiliser le disque du Game Boy Player. On va avoir deux jeux de suite sur GBA. Alors oui, je lis Dr. Mario au secours. Oui, effectivement, Dr. Mario, ça va être un peu chiant. Mais rassurez-vous, ça va, en fait, celui-là, ça va être un des jeux qu'on va le plus expédier de tout le Marioton. En fait, l'objectif, ça va vraiment être de voir comment est cette version GBA, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, si toutefois elle a quelque chose d'intéressant, parce que bon, c'est toujours le problème avec ces jeux-là, c'est que c'est pas gagné que ce soit passionnant. Hein. J'ai remis la petite... c'est bon, j'ai remis correctement ma batterie dans la GBA, je vais pouvoir vous montrer si le jeu fonctionne bien ou pas. Nous allons... Merde, j'ai fait tomber le jeu, ça va pas... Donc regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte de Dr. Mario et Puzzle League. Donc Dr. Mario Puzzle League, c'est un jeu qui est sorti en septembre 2005 sur Game Boy Advance. C'est une, comment dire, bon bah c'est une petite compilation de deux jeux, de deux puzzle games. Donc un jeu qui est évidemment complet. En boîte, notice, tout ça avec un... Ah oui, j'avais un petit... J'avais un petit mot que m'avait mis le gars qui m'avait filé le jeu là-dessus, que je ne montrerai pas. Nous avons donc le jeu dans sa petite dans sa petite cale avec les points VIP, la notice, tout ça. Bien complet, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Et on va vérifier que tout ça fonctionne bien. Dr. Mario versus Raoult, Clash of Titans. Mon dieu, mais où est-ce
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit des conneries pareilles sur ce chat? Donc, la GBA avec le jeu qu'on va mettre dedans, c'est parti. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. On devrait plus avoir de... Ah bah non, tiens, ça ne remarche pas parce que la batterie a encore bougé. Cette batterie est vraiment très chiante, hein, pour le coup. Je vais pas vous mentir, ça m'agace un peu. Pourquoi la batterie décide encore de me faire chier? Attends, je l'ai rechargée tout à l'heure, cette batterie. Pourquoi elle m'emmerde? Hop, Dr. Mario Day of Crisis. Hop, normalement ça devrait être bon. Non, toujours pas. Putain, mais... Ah, si. Voilà. Et donc, on a Dr. Mario. On va mettre en français, bien sûr. Je vais pas vous faire le stream comme ça. Hein. C'est juste que vous voyez que voilà, la cartouche boot bien pour vous montrer quand même sur une GBA. C'est un jeu Intelligent System, tiens, d'ailleurs. Voilà, donc on a Mario et Puzzle League. Donc on va lancer ça évidemment avec le Game Boy Player sur GameCube. On va regarder quand même s'il n'y a pas un bout de contexte un petit peu raconté dans la notice, même si j'y crois pas des masses. On va changer de manette surtout, puisque avant, d'ailleurs j'y pense, il y avait l'input viewer qui marchait sur le précédent jeu ou pas, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe à s'il y avait mon input viewer... manette GameCube. Et on va donc jouer évidemment comme pour le jeu suivant à ceci. Il y avait l'input viewer, très bien, parfait. Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié de le vérifier. S'il était là, c'est cool. Il sera là du coup, il sera de retour pour Mario Party 7 à la fin. Donc on va évidemment jouer avec cette manette là. Là il n'y a pas d'input viewer, hein. on est sur GBA. Mine de rien, je peux vous dire que quand la GameCube, je vais la ranger, merci Eosix pour le 8e mois d'abonnement au passage, la GameCube, quand je vais la ranger, ça va me faire bizarre, parce que ça fait tellement de temps qu'elle est branchée là, avec tous les jeux auxquels je joue depuis Luigi Mansion, ça va faire 6 mois. Hein. À l'affichage début, on voit que c'est un des derniers jeux GBA. Oui, c'est les jeux qui ont l'affichage de l'époque Nintendo DS. Donc les points VIP du jeu, qui, je sais même pas, ouais, ceux-là, ils ont été grattés. Qu'est-ce qu'on a comme visuel dessus? Ah bah on a une pub pour Nintendogs d'ailleurs, et une grosse pub pour Pokémon Emerald derrière, ça ne s'invente pas. La notice du jeu, bon c'est une notice bien épaisse en plusieurs langues, qu'est-ce qu'elle nous dit au sujet du jeu? Est-ce qu'elle nous parle au moins de Dr. Mario? Non, elle nous dit juste... alors, cela dit, hein, ils disent quand même, Dr. Mario fait pivoter les jeux dans le but de faire des chaînes et d'éliminer les virus. Un chef-d'œuvre du genre puzzle action par Nintendo. Quand même, hein. Faut pas se laisser aller, hein. Donc, on va mettre ça. On va remettre ça dans la petite boîte. On va lancer le jeu Nintendo, toujours dans la modestie, exactement. On va basculer donc sur la partie GBA. Voilà, tout marche. C'est incroyable, hein. C'est beau quand même la technologie. Et on va jouer donc en français. Je dirais si le volume ça va. Normalement, ça devrait aller. Et on va changer la catégorie du stream, même si on va pas rester très très longtemps sur Dr. Mario et Puzzle League. Mais, hop. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une catégorie pour ce jeu, en vrai? Dr. Mario et Puzzle League. Je suis pas sûr, hein. Non, il n'y a même pas de catégorie Dr. Mario et Puzzle League. Écoutez, on va mettre en Dr. Mario tout court, hein. Puis voilà. Bonsoir, Mead. C'est parti. Donc, évidemment, Dr. Mario, on a l'habitude de compter les Dr. Mario si on fait le niveau 20. Et que on arrive à terminer. La musique est très cool. Ouais, je mets rétro en catégorie, au pire, oui, je pourrais. Donc on choisit entre Dr. Mario ou Puzzle League. On a essayé que Puzzle League, on s'en foutait. Et on apprécie ce nouvel écran titre de Dr. Mario. Je profite un peu de la musique parce que du coup, je connais pas cette version-là du thème. C'est l'équivalent GBA de Nintendo Puzzle Collection, ouais c'est un peu ça. Hein. Donc on a le mode 1 joueur, on a le mode 2 joueurs dont on s'en fout, les options on s'en tape et le download c'est envoie un jeu en mode une cartouche, donc il y a vraiment que le mode 1 joueur. Qui a le mode classique, donc on continue jusqu'à ce qu'on échoue dans un stage, jouer contre l'ordi ou terminer des limos en éliminant des virus clignotants. On va essayer les 3. Qui a acheté les jeux GBA en 2005? Bah en vrai... Il y a plusieurs musiques. Alors, à noter que c'est la première fois qu'un Dr. Mario est en français. Donc du coup, Fever et Chill, ils ont appelé Fever, Rhume. Il y en a d'autres thèmes aussi. Je crois que c'est les thèmes qui sont sur Dr. Mario 64, ça, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, on va commencer juste pour voir un peu à quoi il ressemble au début.
On va le mettre en 0. Alors on met toujours en moyen parce que sinon c'est chiant. Donc ouais, c'est le Dr Mario classique. La PSP était déjà là, c'est vrai. Très bizarre. La synchro son vidéo du jeu est totalement off. Ah ouais? C'est bizarre parce que pour moi c'est bon. La musique, c'est sans doute le seul truc que j'aime dans Dr Mario. Les musiques sont très cool hein, Dr Mario. Mais là, elles sont bizarres. Je les trouve très très bizarres. Ah, attends, mais pour la synchro, bah écoutez, chez moi la synchro elle est bonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Alors jamais il dit aller. Littéralement aller. Est-ce que là c'est mieux? Oui oui, il dit aller. J'en reviens pas. Le aller, il est trop bizarre. Ah, la musique est dégueulasse. C'est toujours désynchronisé? Non, c'est bon, c'est réglé. Ok, parfait. On a bien un score quand même avec des combos et tout. Très con ce que je viens de faire. C'est un jeu GBA des bonnes X et qu'il a pas grand chose à afficher. Bon, ça se joue vraiment comme Dr Mario et c'est... Bon, évidemment, on est sur une... comment dire, sur l'interface qui est pas très belle en plus, hein, avec le Game Boy Player, mais du coup, c'est pas extrêmement joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au... C'est quoi, Reco? C'est recommencer? On va faire quitter, on va revenir... On va aller directement au dernier. En 20, on va se mettre en moyen. On va choisir une musique. Parce que l'objectif, c'est de le finir. Parce qu'on peut se mettre là. Ah, il y a à nouveau les sirènes de police! Incroyable! Ces fameuses sirènes de police cheloues là! Très con ce que j'ai fait. Oh là, oh là là! Oh, c'est de la merde! Oh, j'ai fait de la grosse merde! Je vais jamais m'en sortir. Ouais non, on va la recommencer celle-là, on va la recommencer parce que j'ai fait n'importe quoi. C'était vendu 40 balles? Je sais pas. Je sais pas du tout combien cette version était vendue. J'ai absolument aucune idée. Ça fait super chier. Bah, ça passera jamais, ça. Ok, on va recommencer. Il est sorti combien de rééditions ce jeu? C'est au moins la troisième fois que je le vois lancer. C'est pire que ça. C'est pire que ça parce que Dr Mario, il est sorti sur NES et Game Boy à l'époque. Il est sorti dans une compilation Tetris et Dr Mario sur Super Nintendo. Et ensuite... Il est sorti également sur N64 en tant que Dr Mario 64. Imagine ton pote joue à Burnout PSP ou Wipeout et toi on t'offre ça. J'avoue. Mais c'est quoi, on va le mettre en facile en vrai. On va le mettre en lent. On va quand même se mettre au niveau max, mais on va se mettre en lent. On va changer une musique. On va mettre celle-là. Et j'avoue, oublié le bruit de la sirène de police qui est vraiment atroce quoi. On se demande toujours pourquoi il est là. Hein. Enfin si, c'est une histoire de dire alerte, alerte et tout, mais bon, c'est ridicule quoi. Vibe Donkey Kong dans cette musique, je trouve. Faut vraiment aimer pour tous ces achetés, mais oui. Dites-vous que Dr Mario 64, je l'ai pas et je le cherche. Hein. Je le cherche pour ma collègue. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. J'ai fait de la grosse merde. Je suis fou. Oh, je suis peut-être pas foutu en vrai. Pas de mal barré, hein. Disons que je me suis bien compliqué la vie quand même, hein.
pas si je peux m'en sortir en vrai. Hein. C'est quand même extrêmement mal barré cette affaire. Bonsoir, bienvenue Subidex, je suis un viewer de l'ombre. Bravo pour ta passion et pour ton boulot chez Nintendo. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'aime beaucoup quand les viewers de l'ombre se sortent de l'ombre, justement, le temps d'un petit message comme ça. Ça fait toujours très plaisir, merci beaucoup. Et le prix de la musique hors serve. Ah oui, non, mais la musique est complètement hors de propos en plus. Hein. Elle est vraiment, mais hors sujet, c'est. C'est un euphémisme, hein. Vraiment. Mais je vous dis, elle a des grosses vibes Donkey Kong Country en fait. Elle est moins cassette que les deux d'origine. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu moins prise de tête, ouais. Mais on va le recommencer parce qu'en vrai, là, vu le merdier que j'ai mis. Oui, il est dans Dr. Mario 64, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On va faire en sorte de moins se prendre la tête déjà. Et le pire, ça reste, je vous dis, ça reste la sirène de police absolument absurde là. Enfin, je sais pourquoi elle est là, hein, mais je trouve ça très con. Bon, on avance. C'est vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je pense que les jeux Dr. Mario devaient bien se vendre, ouais, quand même. Hein, parce que sinon, ils n'auraient pas fait autant. Oh putain. Oh, c'était risqué ce que j'ai fait. Voilà, là on s'en sort bien. Heureusement que je sais jouer à Dr. Mario quand même, parce que sinon... Là on va pouvoir commencer à respirer un peu là. Oui, après ça coûte peut-être pas cher à dev, ça c'est possible aussi. C'est possible que les Dr. Mario soient pas des jeux extrêmement exigeants en termes de ressources de développement, oui. Merde. Ah, fichier, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Oui, le retour sur investissement, effectivement, doit être assez rapide, ouais. Je suis d'accord. Hop. C'est pas ça que je voulais. Ah. On va se démerder autrement. Non. Oh putain. Oh la vache. J'ai eu le réflexe là au dernier moment. Voilà. C'est bon. On règle cette situation problématique. Mais bon, on va pouvoir respirer et maintenant normalement la game est beaucoup moins mal embarquée qu'elle l'était au début. Par contre le jaune là ça va m'emmerder, il va vraiment falloir que je puisse dégager des jaunes à un moment. F0, maximum vitesse de Switch Online n'est pas achetable, qu'est-ce que ça gonfle? Ah bah comme tous les jeux Switch Online, hein, malheureusement. Pas l'impression de toute façon qu'ils aient l'intention un jour de faire en sorte que ces jeux soient achetables, hein, malheureusement. Je vous jure, la sirène, elle va me rendre fou. Mais pourquoi y a encore la sirène d'ailleurs en fait? Alors c'est pas ça que je voulais. Mais en vrai, on doit avoir moyen de corriger ça. Pas comme ça. Hein, que j'ai un beau... C'est pas ça que je voulais. Oui, voilà, ça c'est bien.
Ce jeu-là, tu veux les avoir pour picorer, c'est obligé d'avoir labo. Oui. Ah bah, de toute façon, Nintendo, ils ont bien compris, hein, de toute façon, que les abonnements, c'était quand même quelque chose d'assez rentable. Ils ont mis du temps avant de s'y mettre, hein, mais... Ça y est, maintenant qu'ils ont compris... Je pense qu'en fait, il y a des gens qui voudraient avoir les... Ah oui, il faut le truc... Oui, il faut le pack additionnel, effectivement, parce que c'est un jeu GBA. Donc oui, il faut le pack additionnel, bien vu. J'ai rien qui me propose autre chose, en fait, là. Le joli combo que j'ai fait là. Tout ça pour voir s'il y a une fin, hein, quand on atteint le... quand on finit niveau 20, hein, quand même. C'est uniquement pour ça que je le fais à la base. Putain, la musique elle est tellement limitée à ce moment, on a l'impression d'être sur NES, quoi. Il n'y a pas eu des gros efforts musicaux faits sur ce jeu quand même. Merde. Erreur. Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein. C'est-à-dire que là, il faudrait que du jaune, il m'envoie tout sauf du jaune. Bah oui. Jeu de con. RNG débile. Voilà, quand même, un peu de jaune, merci. Il y a de la rotation de sprite, tellement fou pour de la GBA. LOL! Bah oui, incroyable, hein. Bon, de toute façon, allez, on va l'avoir fini. Ça aura pris quand même bien 7 minutes. Hein. Voire un peu plus, parce que vous allez voir que là, il va plus jamais me donner autre chose que du bleu. Bah oui, bien sûr. Ouais, donnez-moi du... Voilà, merci. Il me met un... Il n'y a pas de timer pourtant. Pourquoi il met la pression au niveau de la musique? Parce qu'il en reste 3, c'est ça? C'est quoi l'utilité de mettre la pression musicalement à ce moment-là, en fait? C'est pas comme si j'avais un temps limité pour le faire, quoi. Ah mais je vous jure, elle a vraiment des grosses vibes de Donkey Kong Country, cette musique. Hein. Il n'y aura pas un timer invisible, ça serait un peu abusé, non? Par contre, ça va de plus en plus vite. Hein. Bon, du coup, le stage, ok. Pourquoi, du coup, pourquoi la musique s'accélérait et pourquoi le jeu me mettait la pression? Alors, si on continue, c'est bon. Voilà. Voilà, on a fini Dr. Mario. Et comme tous les Dr. Mario, on considère que les Dr. Mario sont finis quand on a battu le niveau 20, donc ça compte. Voilà. J'en ai rien à foutre. Alors, il n'y a pas des crédits qui s'affichent, hein, c'est vrai. Et ensuite, on enchaîne avec le niveau 21. Ah, quoi, attendez. Le mode vertical a été ajouté au mode 1 joueur. Incroyable. Et donc là, on enchaîne avec le mode 21, évidemment, mais on s'en fout. Alors déjà, on va avancer, on va noter, parce qu'on reste quand même sur ce jeu, parce qu'il y a d'autres trucs à montrer. Il n'y a pas une mort, hein, pour l'instant. On met juste à jour, jouer 97, restant 112. Et jeu terminé, on le met parce que les Dr. Mario, ils ont toujours été comptés comme ça depuis le début. Hein. On va regarder ce qu'il y a sur les autres modes. Ah oui, il y a mode vertical. Joue à ce mode en tenant la GBA verticalement. Ça peut être très drôle de l'essayer comme ça. On va d'abord regarder ce que c'est que le mode... Alors, le mode versus ordi, déjà. On va s'en faire un rapide, comme ça, niveau 10, ouais. Allez. Et on va mettre le mode sniff.
Oui, musique, il y a nom aussi. C'est drôle. Merde. Ah bah ça commence bien, tiens. Si je fais de la merde comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je pense qu'il va me mettre comme malus dans la tronche, mais je pense que ça va faire mal, hein. Ah bah ça c'est cool. La musique archi vénère quoi. Ah je vais lui faire un petit combo qui va lui faire mal au cul là. Ah j'avais mieux à faire. J'avais mieux à faire, c'est dommage. Je vais quand même aller chercher celui-là. Pour le plaisir de lui faire ça. Voilà. Je regarde pas du tout sa partie, hein. J'ai aucune idée d'où il en est. Je m'en sors bien par contre, à chaque fois qu'il m'envoie un malus, c'est plutôt un bon truc. Je comprends toujours pas le délire de la musique, hein, y a rien à faire. Parce qu'ils ont... Je sais pas c'est quoi le propos derrière, mais... Merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. La pression est incroyable. Allez, je l'ai battu sur celui-là. J'ai bien fait chier l'ordi, mais oui, j'ai fait chier l'ordi, c'était le but. Moi j'aime bien faire chier l'ordi. Bon, on va essayer de battre l'ordi quand même, on va essayer de battre l'ordi en normal. La musique stresse dès qu'on a éliminé une des couleurs. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, bien vu, ours. Ah ça, par contre, ça pue. Là, il m'a envoyé de la merde. Il m'a vraiment envoyé de la merde. Oh, et moi, j'en ai fait de la merde, là. Oh, j'en ai fait de la belle. J'en ai fait de la bien, bien belle. Oh, elle m'a l'air mal barrée, celle-là. Non, ah je me suis planté, c'est mort, celle-là elle est morte, celle-là elle est, enfin on va quand même essayer de la sauver mais pour moi elle est morte, à moins que lui fasse vraiment de la merde. Oh putain je me suis coincé, je me suis complètement coincé. Non c'est mort, j'ai fait trop d'erreurs. Le problème c'est qu'à la première, le premier malus qu'il va m'envoyer, ça va être une cata. Non, celle-là elle est foutue. Ah, il y a peut-être un truc à tenter ici en vrai. Bon, je tente un truc qui est à moitié du suicide, mais bon. Ah oui mais non parce qu'il y en a trop. Non je laisse tomber celle-là parce que celle-là je peux pas l'avoir. J'ai fait une double connerie dès le début. Il y en avait une qui était rattrapable par la suite. Vous noterez le oui et non qui est d'une absence totale de pertinence. Ça ressemble à rien, c'est très moche. Je sais pas du tout pourquoi ils mettent oui et non. Traduit complètement avec le cul. Ah non mais c'est un enfer hein, vraiment. Ça n'a aucune espèce de pertinence. Pas trop ce que je cherchais, on va se démerder avec ça. Ah.
On va pas lui faire comme ça, c'est pas grave. Oh putain, j'ai failli me faire avoir. Bon, c'est pas génial, mais après, ouais, il est sympa. Contrairement, il faudrait peut-être que je mette un rouge. Je peux avoir un bon rouge et bleu dans le bon sens, ça m'aiderait bien quand même. Ouais, ou ça, à la rigueur, voilà, ça c'est bien. Très con ça, très très con. Il est en train de me rouler dessus là. C'est quand même assez violent ce qu'il me met comme branlé l'ordi là. Là je joue mal hein, aussi, bah, on va pas se mentir. Finalement, on est pas mal loti avec Luigi Mansion 2 pour la fin de vie de la Switch, pauvre GBA. J'avoue que là... Donc là c'est lui effectivement qui a de l'avance, ouais là il va me rouler dessus de toute façon sur celle-là. Cette game là elle est perdue. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de lui mettre des malus absolument dégueulasses dans la tronche. Excusez-moi. J'aurais bien eu besoin de Dr. Mario, là, pour le coup. Je suis étonné qu'il est toujours pas fini en fait. Enfin, j'ai enfin réussi à tirer quelque chose de cette game et c'est à ce moment-là évidemment que je décide de me pourrir. En même temps c'est mérité hein, vu comment j'ai joué. Il est en galère l'ordi, ouais. Il est étonnamment en galère. Alors est-ce que c'est scripté dans le bon sens du terme pour moi du coup? Parce que là franchement... C'est vrai que je lui envoie des merdes sur la tronche aussi, hein, pour ne rien arranger. Pas gentil avec lui, il mérite pas. Mais qu'est-ce qu'il fout à droite? Qu'est-ce qu'il fout? Mais il est nul? On est d'accord qu'il est en train de se créer des problèmes tout seul en fait là. Ah, par contre, ça c'est con. C'est une petite erreur de ma part, j'ai mal vu les choses. Je voudrais du rouge, les amis, là, s'il vous plaît, du rouge. Donnez-moi du rouge, merci. C'est pas assez pour l'instant, mais voilà. Allez, on continue, voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà, on avance. J'en ai 3 et j'en ai un de chaque couleur. C'est pas beau, ça? Il va perdre, et il va perdre, incroyable. Ah non, merde. Ah ça c'est moche. Le truc que je vais pas, c'est bon. Allez, quel suspense. Il a tout fait pour que je gagne, hein. Vraiment, il est nul à chier. Pourtant on s'est mis en niveau 10, hein, mais... Non mais il menait 3 à 14 quand même, hein, on le rappelle. Un peu honteux quand même, hein. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, ça non plus, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Essayer de corriger les choses. Ouais. Ah mais non, merde, fallait pas que je fasse ça. Tant pis. Miraculeux. Les oui non feraient des bonnes emotes. Oui alors, on a assez d'emotes complètement éclatées quand même. Calmons-nous un peu sur les emotes pourries parce que là... Le but de cette chaîne avant c'est d'avoir des emotes bien quand même.
Oui, bah voilà, des belles emotes comme celle effectivement que vous avez partagé dans le chat. Là, on est sur du bon goût là au moins. Je crois que... Ah, j'étais en dire, je pensais que j'avais bien pourri la vie, mais pas encore en fait. Le problème, c'est qu'il va... Merde! Ça, c'est stupide. Ça, c'est stupide. Ça, c'est vraiment stupide. Ah, je suis très très con. Ok. Ok, c'est... Il y a du suspense. Il y a du suspense et on va essayer de... faire les choses bien pour finir. Parce que en vrai, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Pas malin ça, c'était pas malin du tout. Bon, tant pis pour celle-là. Ah merde, j'avais un truc bien mieux à faire, je viens seulement de le voir. Là, c'est lui qui va m'envoyer de la merde. Je m'en sors bien, je m'en sors très très bien. Il m'a envoyé limite le meilleur truc possible. Là, ça, là, je pense que ça devrait le faire. À mon avis, là, on est bien. Sauf qu'évidemment, il va plus m'envoyer des couleurs dont j'ai rien à foutre, parce que ça, c'est un grand classique. Un jaune et bleu. Voilà. Allez, plus qu'un bleu. N'importe quel bleu, on est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, on a battu l'ordi. Voilà. Non mais, quand même. Ah, on peut recommencer du coup. Bon, on s'en fout. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. J'avoue que les oui et non, là, ils sont extraordinaires quand même. Ils sont extraordinaires. Vivant Dr. Mario 99, ils en sont capables, hein. Alors le mode flash termine les niveaux en éliminant des virus clignotants. Lui je connais pas, donc on va tester en... Ouais bah écoutez, on va tester comme ça. Et on va le mettre sans musique, pour que ce soit vraiment à chier. Ah donc il y a des virus particuliers et il va falloir viser ceux-là en fait, c'est ça. C'est ceux-là qu'il faut virer en prio on dirait. Merde. Oh là, oh là là. Oh, il m'a mis dans une de ces merdes. Il m'a complètement pourri la game, c'est un truc de ouf. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire, c'est une cata. Ça a été très très vite en fait.
vous jure, j'en peux plus de la sirène. On est d'accord que c'est atroce comme ça. C'est vraiment un chier, putain. C'est vraiment ignoble. C'est une des pires expériences audio que j'ai faites dans le Marioton, je pense, celle-là. Je suis désolé, mais ça m'amuse beaucoup. Pas pire qu'une musique en boucle. Oui, c'est pas faux. Hein. Oula. Oh, j'ai envoyé un sale combo sur la tronche, je pense, là. C'est littéralement la musique de Bubsy 3D. Bah oui, bien sûr. Alors, j'en ai eu certains, mais pas encore tous. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, le jeu n'est pas gentil. Le jeu me veut du mal. Oh là là. Oh, il me veut vraiment du mal. Et on est pas mal là. Ah non, il a gagné. Ah non, oui, si c'est moi qui l'ai eu, ok. Bonsoir Nintendo, comment ça va? C'est pas si désagréable à regarder. Oui, c'est pas faux. Disons que ça pourrait être pire. Non! Oh, j'ai été très con. Merde! C'est mort. Merde, c'est mort. Je pense que tu joues aujourd'hui dans des jeux Nintendo les moins chers en neuf sur GBA, on le trouve à 30-40 sous blister. Ah ouais, sérieux? Nintendo, ouais, mets le live sur ton système audio en 5.1, ça vaut le coup. On va quand même tenter de battre Lord. Il est pas facile, hein, ce mode en vrai. Il est pas facile, je l'ai mis à un mode de difficulté qui est peut-être un poil élevé. Qu'est-ce que j'ai eu chaud? Dommage. Dommage, mais c'est pas mort. On va pouvoir y aller. J'espère que l'OST est en point flac. Ah, j'espère aussi, hein, une OST aussi quali, ça serait dommage qu'elle soit... Putain, il m'a eu? Sérieux? Ah ouais, il y a... Ah mais c'est vrai que moi j'ai un peu oublié un objectif qui était celui de... On va compter ça comme une mort. Franchement, celui-là, on va le compter comme une mort parce que c'est ma faute en fait, j'ai oublié de me focus sur le virus qu'il fallait aller chercher. On va compter une mort là-dessus. On a 1790 morts du coup.
Oui, non, là je jouais plus le but du jeu, je sais pas pourquoi j'étais joué en mode je vais cuire le tableau. Et on va essayer le mode vertical pour rigoler et pour finir, parce que je pense que ça va être très bizarre. On va se mettre avec... On va se mettre avec, avec chill. Et donc c'est à la verticale et donc c'est ignoble. C'est ignoble. Oh la vache. C'est un jouable, putain, va falloir que je... va vraiment falloir que je me retourne. Non, attendez, je vais me retourner parce que sinon c'est pas jouable. C'est absolument pas jouable. Ah oui, mais attendez. Ah oui, mais la croix. La croix, il faut que je fasse ça du coup. Attendez. Il faut que je mette la croix comme ça. Ouais, ok. Donc attendez, on va mettre la GBA comme ça. Là, ça va marcher. Il y a un truc que je comprends pas là. Ah, mais attendez. Attendez, parce que le problème, c'est que quand vous appuyez sur les flèches, ça tourne les pièces. Très compliqué en fait à gérer. Temps de faire les choses bien parce que sinon j'ai pas envie de les faire tomber trop vite en fait. C'est pas facile hein, c'est vraiment pas facile. J'espère que vous appréciez le fait de me voir avec la tête tournée comme ça sur le côté, parce que là vraiment on est sur du grand let's play encore hein. J'espère que vous appréciez à quel point je me fais mal pour vous quand même hein. Ça fonctionne, ok. J'avais un peu un doute là-dessus, mais putain, y a absolument que... Il y a que des bleus, en fait. Merde. Putain, j'ai glissé. Très con. Pas évident de les repérer en vrai. Bon là vous m'en voudrez pas, pour une fois je regarde pas le chat. Parce que c'est compliqué de me concentrer dessus. Parce que je voudrais essayer de clean cette partie quand même, mais... C'est chaud, c'est vraiment chaud. Parce que je vois pas bien en fait si je suis au-dessus ou pas. C'est le plus gros problème. J'ai une visibilité qui est pas optimale du tout. Oh, le combo que je viens de me taper là. C'est un plaisir pour les cervicales. Hein. C'est moi qui vous le dis. Merde, ah, ça coulait. Évidemment, quand on joue à la GBA, à la verticale, ça va être très simple. Mais moi, je suis pas du tout dans une bonne position pour ça. Oh là là! Ah, ça fait chier, ça. Ça fait chier. Très très con. Il va falloir du jaune, là, parce que là... Il faut absolument un jaune qui aille sur la gauche, sinon je suis baisé. Je vais jamais... Ah non, c'est bon, on va y arriver.
Yes, on va s'en sortir. De façon pas très glorieuse, mais on va s'en sortir, a priori. Besoin que... Ouais, c'est bon. Ah, c'était... Voilà. Quel motif donner au médecin pour justifier son torticolis, j'avoue. Je ne rejoue jamais à ce truc, comme ça. Jamais. Waouh. C'est... Ok, on a joué à... On a joué à Dr. Mario et Puzzle League. Et inutile de vous dire que ce mode vertical, waouh, c'est pas fait pour être joué sur console, hein, clairement. C'est pas du tout fait pour être joué sur console, enfin sur Game Boy Player. Mais ça a le mérite d'être fait. Encore une anecdote à raconter mercredi. Oui, si bien sûr je fais les Nintendo mercredi. C'était Dr. Mario et Puzzle League sur Game Boy Advance, qu'on va évidemment remettre immédiatement dans sa boîte. Fini les sirènes. Ouais, les sirènes, vous en pouviez plus. Hein. Je comprends. Les sirènes, on avait un peu plein le cul à la fin quand même. Faut dire ce qui est. On va pouvoir passer à un autre jeu GBA qui lui devrait être plus intéressant et plus agréable à jouer, puisqu'il s'agit d'un jeu de tennis, il s'agit d'un Mario Tennis. Parce que ce Dr. Mario et Puzzle League, en vrai, bah, c'est Dr. Mario sur GBA, quoi. C'est-à-dire rien de transcendant par rapport à ce qu'on a vu avant. Alors je dis Dr. Mario est une licence qui doit rester dans les tréfonds. Bon, moi je trouve que c'est un peu méchant de dire ça, parce que pour moi Dr. Mario c'est bien, c'est un bon puzzle game. Par contre, ce n'est absolument pas intéressant en stream. Mais j'ai l'impression que personne parmi vous n'aime Dr. Mario dans le chat. À chaque fois que j'ai fait un Dr. Mario, les gens étaient en mode c'est vraiment de la merde. Dr. Mario World sur smartphone était sympa. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas mettre l'OST de ce Dr. Mario en fond pour Breakfast of the Wild? Ah, l'enfer. Bah non, non, quand même pas. Pitié, respectons un peu. Mais oui, passez mon Mario Baseball. Ah, il est là. Non, non, quand même, respectons-le un petit peu. On va rester du coup sur Game Boy Advance avec un autre jeu qui sera du coup le 98e du Marioton. Il s'agit de Mario Power Tennis. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci, il est neuf. Parce que oui, rappelez-vous, j'ai beaucoup de jeux GBA en double où j'en ai un ouvert. Donc j'en ai un neuf et un qui est ouvert. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Ah si, ils ont la même couleur par contre. Je vous disais des conneries. Donc on va évidemment utiliser celui qui est ouvert. Hein. Il va falloir jouer avec deux cailloux qu'à Dr. Mario. Oh, c'est dur. Oh, il prend cher Dr. Mario là quand même. Hein. Trop bien, Charlie, pour le moment où ça va se jouer, hein, où ça va jouer un jeu dans le top 3 des meilleurs jeux GBA. Ah ouais, à ce point-là, Nintendo. Alors, est-ce que Mario Power Tennis est un jeu qui a un... oui, il a un scénario, évidemment. Moi, évidemment, j'ai pas joué au mode scénario. Moi, ce qui m'importe, c'est de jouer au mode... voir comment il se joue en solo, hein, tout simplement. Mario Power Tennis GBA. Un de mes jeux GBA les plus abîmés d'ailleurs, hein, vous constaterez que la boîte est vraiment pas du tout en bon état, elle est pas bien conservée. Quel que soit l'angle, hein, vous voyez, elle a souffert. Elle a souffert, mais bon, à côté, je rappelle que juste à côté, j'ai ça. Donc ça compense, hein, on va dire. Mode Power Tennis sur GBA, c'est un bon 18 sur 20 pour moi. Ah ouais, à ce point-là, Nintendo. Voilà, bon, évidemment j'ai ça à côté, hein, donc forcément. D'ailleurs pour information, Mario Power Tennis, ça faisait partie de ces jeux pour moi les plus simples entre guillemets à avoir en 9 sur GBA. Pourquoi? Parce que c'était un jeu qu'on pouvait avoir contre des points VIP sur le club Nintendo, Mario Power Tennis GBA. Qui n'a pas le même nom d'ailleurs, hein, aux US, il s'appelle Mario Tennis Power Tour, si je dis pas de conneries. Donc un jeu où j'ai l'essentiel, hein, j'ai la boîte que vous avez vue, la cartouche, la notice, les points VIP d'ailleurs, on en parle justement, ont-ils été grattés, ceux-là j'en sais rien, ils l'ont été, voilà. On a une pub magnifique, petit poster pour Mario Smash Football, hein, qui est un jeu qui va être joué dans pas très très longtemps, et d'ailleurs une pub aussi pour la DS, avec Mario Kart DS, derrière le feuillet de carte VIP de Mario Power Tennis. Donc un jeu dont on va évidemment vérifier le bon fonctionnement sur GBA, comme tous les jeux GBA. On rappelle en plus la dernière fois qu'on fait ce rituel, puisque c'est le dernier jeu GBA du Marioton. C'est terrible, on en arrive là. Il se peut que certains jeux GBA soient relancés, hein, plus tard. On verra bien, parce qu'il y a des petits challenges optionnels que je me réserve pour la fin. Notamment faire peut-être... Bah putain, elle a à nouveau décidé de rage quit la batterie. Mais elle me fait chier en fait, vraiment. En fait c'est une batterie qui bouge beaucoup trop. Le problème, c'est que le solo est hyper bavard parce que c'est un Kaamelott. Ouais, c'est ça.
On voit d'ailleurs hein, effectivement l'attention, le truc de sécurité qu'on a à la fin. Donc on voit le logo Camelot. Donc on voit que le jeu fonctionne très bien avec l'écran titre de Mario Power Tennis. C'est parfait. On va donc le lancer sur le Game Boy Player, bien évidemment. Et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau de sa notice, comme toujours. La notice, par contre, elle est nickel. Hein. C'est-à-dire que la boîte est pas belle, mais la notice, elle est vraiment propre. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce jeu ? Voyons voir un petit peu. Des matchs de tennis palpitants, tout ça. Il n'y a pas spécialement d'informations ou de supposé lore sur le scénario. Pourtant, le jeu a un scénario. Hein. Est-ce que c'est un scénario RPG ? Je sais plus trop. Le début de la carrière, c'est vraiment stop le blabla, pitié, je veux jouer. Ah ouais, à ce point-là ? Alors d'ailleurs, les modes carrière des Mario de sport, c'est un truc, voilà, ça peut s'envisager dans des sub-goals ultérieurs. On verra bien, parce que moi je vous dis, il y a plein de petits challenges additionnels que je me suis fixé sur le Marioton. Si d'ailleurs vous regardez un peu la liste des jeux du Marioton, vous verrez que j'ai mis des trucs en bonus à droite. Genre par exemple, tenter de refaire le boss de fin de Mario Super Saga, au cas où. Faire le niveau expert de Mario vs Donkey Kong parce que je les ai pas fait et en vrai ils sont pas si durs que ça, hein, je les ai fait dans le remake, voilà. J'ai mis bonus faire le mode aventure entier pour DDR Mario Mix, etc. On a donc Mario, Dr. Mario Puzzle League, on le considère comme fini parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Hein. Mario Super Stars Ball ne l'est pas. Mario Power Tennis Power Tour n'est pas un jeu qui sera fini, hein, on le sait. Mais on va le lancer immédiatement, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour ce titre. Donc on allume la GameCube à nouveau, voilà. Selon son aspect RPG scénarisé que je trouve si bon. Ah ouais, c'est pas pour le jeu en lui-même en fait. Ça démarre, c'est bon, on est bien sur la GBA. Alors tiens, on est toujours sur l'écran fixe de Dr. Mario, c'est très drôle. Voilà, c'est mieux. Oh! C'était la voix de Waluigi, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, on a une séquence d'intro incroyable! Avec les fameux persos de Camelot. Hein. Ah, les super frappes, les fameux sont de retour. Comme Gameplay, peut-être aussi, j'aime pas les super frappes sur GameCube. Parce que ça a trop le jeu de cinématique sur GBA, c'est beaucoup plus nerveux. Très bien. En tout cas, le jeu s'appelle Mario Tennis Power Tour hein, aux US. On est champion de tennis. L'intro est vraiment cool. Il a l'air cool ce nouveau Top Spin. Oh putain, mais oui, il y a quelque chose qu'il fallait que je vous montre. Attendez, parce que j'avais dit que je le ferais en live. Il faut que je vous montre ça. Ouais, j'ai récupéré un Pokémon Emerald que j'ai récupéré dans le live. J'ai récupéré quelques petits goodies un peu fort. Ok, je vais baisser. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus fort que Dr. Mario, j'ai l'impression. C'est mieux là, je pense. Hein. Ouais, donc en plus de Pokémon Emerald, donc j'ai récupéré des posters My Nintendo, je vous les montrerai évidemment dans Breakfast of the Wild ce dimanche, mais j'ai récupéré un autre goodies absolument incroyable, je me remets en face cam pour que vous voyez ça parce que c'est fou. J'ai récupéré une casquette de tennis Mario. C'est une vraie casquette de tennis hein, pour le coup, sous licence Nintendo Switch, parce que c'est une casquette qui était offerte quand on achetait Mario Tennis Aces. Et du coup, bah écoutez, je vais la mettre pour jouer au tennis, parce que comme ça, j'aurai un flow absolument hors du commun. Voilà. Je suis bien comme ça là, hein, franchement. J'ai pas la classe avec ma casquette de tennis là. Voilà. Et avec le casque par-dessus, pour en rajouter une couche. Je suis bien là, hein. Non, j'ai pas la moustache noire en kit, mais regardez-moi ce flow. Regardez-moi ce flow incroyable. Je me dis que là, Miku a peut-être trouvé les limites de... C'est là que... ça veut dire qu'il va falloir jouer à la purge Mario Tennis Ultra Smash. Mais oui. Donc on anti-swag complètement. Et on va jouer à ce Mario Tennis comme ça. Donc...
En train de faire des appels de détresse, nous devons réagir. C'est ça. Alors, il y a certainement une sauvegarde dans cette cartouche à laquelle je n'avais jamais joué. Donc il y a un scénario, effectivement, mais un mode exhibition, un mode multi, des mini-jeux, le dico du tennis, les options, les profils. Alors, notre qu'il n'y a pas de mode tournoi. Hein. Donc on va utiliser le mode exhibition, on va tester le mode exhibition, on va prendre Mario, bien sûr, en simple. On va pas le mettre en joueur star pour l'instant, mais qui en on va mettre Waluigi. On va mettre Waluigi. Après, il y a tous les persos, effectivement, de l'univers qui mode. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont combien? La vache. Il y a Waluigi, mais pas Wario. Il n'y a que 6 personnages de l'univers Mario dans ce jeu. Ils sont seulement 6. Est-ce que je vois quelque chose avec ma casquette? Bien sûr, bah elle est pas devant, elle est pas dans la tronche. Hein. Elle a une forme à la con, par contre, hein, cette casquette, je vais pas vous mentir. Donc, Waluigi, c'est parti, on va se mettre en... Alors, on a débutant, intermédiaire, expert, pro ou champion. La vache. On va mettre en intermédiaire. Parce qu'on sait pas du tout comment ça se passe. Donc on a du béton, de la terre battue, du gazon, du synthétique, le dome pitch... on sait pas ce que c'est, bon écoutez, on va tenter le béton pour commencer. Vu qu'il était dispo chez Micromania, mais c'était une exclue. Une exclue GameStop. Ah, possible. Les super frappes. Alors, les super frappes, on peut les désactiver. Donc, je vais les laisser pour voir comment elles sont chiantes. Et puis après, je pense que je les enlèverai. Select, on va vérifier. Activation super frappe, c'est automatique. Comment c'est automatique? Ah, oui, mais on est en normal, hein. Non, je vais tout mettre en manuel. Hein. Donc, c'est. Oui, pour l'instant, on va tester déjà pour voir comment ça se passe. Le jeu a l'air fou. Oui, un petit peu. Bah, après, on est sur GBA. Hein. On se reste là. On dirait les mêmes sons que dans Golden Sun GBA. C'est normal, c'est Kaamelott qui a fait le jeu. Waouh, il y a des doublages français dans le jeu GBA. Incroyable. Ok, donc j'aurais peut-être dû mettre un niveau un peu plus élevé parce que Waluigi n'a pas plongé du tout. Oui, c'est la voix de Papy Champy parce que Papy Champy est arbitre. Je les avais pas mises les super frappes. J'ai pas vu après s'il avait une jauge. Même compositeur moto et Sakuraba, quand il a fait aussi Battle Kito, c'est Dark Souls. Waouh! Ah oui, merde, je suis en haut. Alors attendez, parce que du coup, est-ce que je peux. La caméra, ouais, parce que la caméra, quand je suis en. Je préfère qu'elle soit derrière moi parce que sinon c'est chiant. C'est le premier Mario Tennis où il y a des voix françaises. Il n'y avait pas des voix françaises sur celui sur GameCube. Ah si, voilà la super frappe, elle est là. Par contre, l'angle de vue est bizarre. L'angle de vue est très bizarre parce que c'est très aérien. Et du coup, je trouve que parfois, on a un peu de mal à appréhender vraiment la position de la balle. Donc Waluigi avec ses super... Non, Waluigi, donc les super frappes qui sont les mêmes super frappes que sur GameCube. Hein. De toute façon, c'est concrètement c'est le même jeu que le jeu GameCube mais en version GBA. Ah, les balles de match normalement. Et on gagne le match sur un retour gagné. Ok. Bon, alors on va se faire une exhibition un peu plus complète que ça. On va reprendre Mario. On va jouer contre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc complet technique défensif puissant. Complet. On va jouer contre Peach. Hein, parce qu'on se souvient que Peach était une catastrophe dans le. Ouais, mais je préfère avoir la cam derrière moi. C'est beaucoup plus agréable à jouer d'avoir la cam derrière moi. On va se mettre sur le gazon, tiens, contre Peach. Ah, il y a la synthétique aussi. On va tous les essayer. Donc, on va mettre un set, mais de 6 jeux quand même, hein, pour faire un peu plus de, avoir un peu plus de défis. Et on va le mettre sans les super frappes parce que les super frappes de Peach c'est bon. Hein. Les super frappes de Peach j'ai plus envie du tout. Donc là on est en indoor dans une espèce de gymnase on dirait. À quand Mario F1 pour que ça vous explique bien le jeu. Oh bah le tennis, je peux vous l'expliquer aussi, en vrai, le tennis, je comprends bien le tennis. Hein. Ah, et donc c'est bien avec R qu'on cancelle les coups, ok, c'est important de le savoir, parce que du coup, je me pose la question, est-ce qu'on peut, mais oui. Oh putain, oh la vache. Ah mais Peach,
Peach et des M0. F1 Race, c'est un peu Mario F1, ouais, on va dire ça, ouais. Ah merde! Ouais, là, genre, forcément, je peux pas la voir. Qui a réussi dans ce jeu, les menus, la zik, les animations. Non mais vraiment c'est propre. Après Kaamelott, oh merde. Est-ce qu'il y a une mamie champi, je ne sais pas. Ah, par contre je voulais faire un smash et je l'ai loupé. Après je l'ai passé en difficulté supérieure hein, donc forcément c'est pas du tout gagné d'avance. Bon évidemment le plaisir de jeu est pas le même que sur GameCube mais c'est quand même je trouve que c'est quand même plutôt propre. Hein. Je me rends compte d'un truc, c'est que Mario n'a pas les... Enfin, dans ce jeu, il n'y a pas les espèces de plongeons de... Par contre, la caméra qui s'est remise derrière. Alors, le problème, c'est qu'elle se remet derrière... Enfin, elle se remet en fixe à chaque fois. Oh, moi, j'aime pas du tout cette caméra fixe. Voilà. Il faut vraiment que je pense à annuler mes coups, sinon ça ne passera jamais. À faire des espèces de semi-amortis à la con là que j'ai du mal à... Ah, ouais, c'est bon, mais c'est un peu miraculeux. Je sais pas si sur GameCube ou sur 64 ce serait passé. Ouais, les plongeons de sauvetage de balles sont en manuel. Et le problème, c'est que j'aurais peut-être dû les laisser en auto. Parce que du coup, ouais... un gros smash. Pour que la caméra reste fixe, je crois que je change dans les paramètres du menu principal. Ah oui, parce que sinon effectivement ça considère que c'est des paramètres juste le temps du match, c'est ça. Et merde, chaque fois je me fais avoir. C'est-à-dire que je suis toujours bien placé pour lui mettre un... Et pas seul ami qui ressemble beaucoup trop au thème de combat de Golden Sun. Ah bah ça, hein, de toute façon... Il y a clairement une empreinte musicale forte sur ce jeu, mais à chaque fois la même, m'agace. Et merde, pas pu aller la chercher. En vrai, ça va être un joli défi d'essayer d'avoir Peach en... En mode expert. Je sais pas ce que donne le mode pro et le mode champion. On va les tester après. De toute façon, il y a 5 types de cours. Il y a 5 difficultés. On va toutes les essayer. Bon, voilà. On commence à prendre un peu le pas de Peach là, qui me met un énorme ace dans la gueule. Faut dire que je m'étais positionné pas très très bien pour tenter mon retour. Bonsoir Valo, je vois que ça joue au meilleur Mario Tennis de la série. Ah bah ouais, non, il est très chouette. Alors, franchement, vous savez que c'est genre de jeu en vrai. Je regrette quand même de ne pas y avoir joué à l'époque parce que franchement je me serais éclaté dessus. Je sais pas si j'aurais aimé le mode scénario, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas je me serais vraiment éclaté à y jouer.
Par contre, c'est moi où le jeu n'a pas de mode tournoi. Il y a juste un story mode, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tournoi en fait. Quelle licence Nintendo est mauvaise sur GBA? Bah, j'ai envie de dire Mario Party, mais en vrai, le Mario Party Advance, on l'a vu hier, il est très spécial. C'est pas un mauvais jeu en soi, il est juste. C'est pas un Mario Party. En fait. Il y a eu beaucoup de jeux Mario faits par Kaamelott. Tous les Mario Tennis et Mario Golf, j'ai l'impression. Bon, on voit qu'il fallait que je prenne le pas du niveau de jeu de Peach et du niveau de difficulté un peu plus élevé, mais c'est rentré, on va dire. Mais il n'y a pas de Mario 2D, comment dire, inédit, ouais, sur GBA, ça c'est dommage. En fait, je pense que le problème principal de Mario sur GBA, c'est le fait qu'il n'y a pas de jeu de plateforme inédit. Je pense qu'en vrai, on ne savait pas trop quoi faire pour les Mario 2D. Et en fait, il a fallu le Super Mario Bros. Sur DS en fait, pour arriver à relancer la licence des Mario 2D finalement. La licence des Super Mario Bros. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement on avait ce côté la SNES dans la poche et ils se sont dit tiens, bah on va porter pratiquement tous les hits Super Nintendo dessus. En vrai, ce qui aurait été bien dessus, c'est d'avoir un Super Metroid en plus d'avoir fusionné Zero Mission. Passer un premier jeu à jauger comment jouer Peach. Ah ouais, d'accord, j'ai trouvé le timing pour les aces en plus. Peut-être moyen de finir le match sur un ace avec un peu de bol. On va essayer. Dommage. J'ai même aimé finir la balle de match sur un ace, mais. Tout amorti. Hop, voilà. Le plus fou sur le GBA, c'est la quantité de jeux tiers de la licence. Ah oui, c'est vrai que les Mario 2D sont portés sur en fait des remakes. Oui, c'est des remakes, mais ça reste. Le problème, c'est que ça reste pas des jeux inédits, quoi. Bon, on va continuer en simple et on va prendre. Tiens, on va prendre Luigi cette fois. Et Luigi, on va le mettre en pro. On va aller sur la terre battue. On va voir un peu comment ça se passe. Toujours sans les super frappes. On se remet un seul set. Hein. Puis il restera à la fin. Il restera. Alors, on va voir si en pro, est-ce que j'en chie un peu plus. Parce que c'est vrai que du coup, Peach, pour le coup, une fois que j'ai pris le pas, c'est bon, je lui ai mis 6 jeux d'affilée, j'ai pas concédé beaucoup de points. Oh, Luigi monte beaucoup au filet, ok. Pas très très fan des adversaires qui montent au filet. Après, si on peut beaucoup les lober, mais bon. C'est un petit peu chanceux. C'est pas vraiment comme ça que je voulais faire, mais. En vrai, il y a grave moyen de le lober. En vrai, si j'arrive à le prendre à son jeu, je pourrais quasiment le lober à chaque fois, en fait. Donc ça devrait pas être trop dur. Faut juste que je le force à vraiment monter au filet et je pourrais le lober quasiment à chaque fois. Un petit retour de gagnant qui fait du bien. Ce qui est bizarre, c'est que le cours a l'air d'être tout petit, en fait. Pour l'instant, pas trop trop dur. On s'est mis en pro, mais pour l'instant, Luigi, ça va. On va voir sur la durée.
pour l'instant. Pour l'instant, je trouve que Luigi en pro est moins dur à battre que Peach en expert. Hein. On est d'accord que le mode expert est supposé être une difficulté inférieure au pro. L'IA me paraît identique à celle de Mario Tennis GBC, ça c'est pas impossible. Hein. Luigi est complètement demeuré en fait. Luigi, on le fait monter au filet et puis on le lobe. Voilà. Ah, on a eu. Oui, c'est le dernier Mario Tennis avec une composante RPG, ouais. Ah, joli. Joli Luigi. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que c'est de la terre battue, mais autour c'est du sable. On croirait presque un terrain de beach volley. C'est pas nouveau que Luigi n'est pas la clé à molette la plus affûtée. Oui, ça c'est pas faux. Luigi est vraiment... Luigi est mauvais. Je suis désolé, je joue en pro là quand même. Hein. C'est la quatrième difficulté sur 5. Peut-être que Luigi est pas du tout fait pour la terre battue, c'est possible. C'est pas le mode exploit tapis de danse. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oh jolie celle-là, jolie. C'est le classique du grand frère qui bully son petit frère, ouais voilà. Oh jolie celle-là. Oh attention. Attention, Luigi se rebelle. Luigi essaie de me breaker. Je trouve une première balle de break. Celle-là, il l'aura jamais. Par contre, ce qui est trop bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu de faute depuis le début. Absolument aucune faute directe. Rien du tout. Ça va jamais pu aller chercher. Et hop. Et hop, voilà. Luigi est nerf parce que les pixels de la GBA l'empêchent de faire son Death Star, c'est ça. Ah merde. J'aurais pas dû faire ça. Oh, ça va être compliqué. Il y a 20 ans, jour pour jour, Federer affronte Nadal pour la première fois. C'est beau. C'est pas une balle de match, c'est une balle de match. Oh, joli. Sauvé. Allez, nouvelle balle de match. Et retour gagnant pour la balle de match, voilà. Bon. Allez, on va faire un... On va se mettre sur du dur. Contre Bowser. En mode champion. On a fait le béton, on a fait le synthétique. C'est le gazon qu'on n'a pas fait. Pour l'instant. Je vois de côté qui sert à rien, est toujours en bas. Oui, c'est vrai. Les super frappes hein, tout de suite c'est quand même beaucoup mieux. En profiter pour changer la caméra maintenant sinon j'ai oublié. Donc là on a mis la difficulté max hein. Alors j'aurais pu mettre le joueur en star aussi en vrai. On pourrait toujours essayer de faire un match en star après. Bon, j'ai pas eu spécialement de difficulté à battre Luigi. Bowser, je m'attends à ce que Bowser sur du gazon avec la puissance et la balle qui aille vite ça soit plus compliqué. Bowser joue énormément au fond du cours en plus avec sa puissance, c'est un enfer. Alors le problème en vrai c'est la caméra. La caméra parce qu'on a vraiment un. Ouais, on a vraiment eu un espace très très limité sur GBA. Ouais, Bowser va falloir aller chercher des smash au filet. Hein. C'est le moment où ça va devenir compliqué.
On va essayer de lui faire un amorti pour le faire chier, tiens. Ouais. Ah, ça fait des gros matchs, hein, là. Oh, on est sur du vrai tennis de haut niveau. Mais la caméra, par contre, quand les deux persos jouent en fond de cours, la caméra de la version GBA, elle est insupportable. Elle est insupportable, je trouve. C'est vrai que là, je vais me faire battre par Bowser, mais je vais pas vous mentir, le jeu n'est pas du tout agréable avec cet angle de vue. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que du coup, Bowser, j'ai l'impression que je peux lui faire le même coup à chaque fois sur son service. C'est incroyable à quel point il y a un cheat code sur le service de Bowser. On lui renvoie en slicé. C'est les quatre, je lui ai mis exactement pareil. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive à trouver comment lui mettre les points sur mon service, en fait, je monte au filet. Ça, en fait, il y a rien d'autre à faire. En fait, Bowser, c'est ça. Faut monter au filet. Bowser, on monte au filet, il est niqué. Il est niqué parce que du coup, on fait des smash derrière et voilà. Ok. Bon bah écoutez, hein, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de dire. Et du coup là, le challenge est inexistant à partir de là. C'est-à-dire que je lui ai mis tous les points comme ça pour l'instant. C'est cheat code complet. Tous les points je lui mets comme ça. On est en mode de difficulté max. Hein. Et c'est un perso puissant sur du gazon. Donc c'est-à-dire qu'il est censé servir fort, que la baille aille vite et tout. Et il y a tous les points, je lui mets comme ça. Absolument tous. Il n'y a aucun intérêt à continuer le match, limite. Regardez. En fait, il faudrait juste, pour la beauté du match, tiens, parfois il arrive quand même à me lober, mais c'est pas souvent. Hein. Ah, j'ai réussi. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, je lui ai mis sur un coup direct plus classique. Ouais, c'était pas sur 64. Ouais, mais dans mes souvenirs, sur 64, c'était moins à ce point-là quand même. Là, les smash gagnants, j'en suis à 13. C'est abusé. En fait, tant que je me fais pas lober. Ah, là, il a réussi à rentrer gagnant quand même. Attention. Attention, il fait des beaux retours gagnants là. Oh, attention, il s'est mis à jouer différemment. Il s'est mis à jouer complètement. Alors ça, c'est très bizarre. Il a joué très différemment sur ce jeu là. Donc du coup, je me suis fait avoir. Ça n'a pas marché à tous les coups. Est-ce qu'il a changé sa méta subitement? Alors sur son service, visiblement non. On va rester méfiant quand même parce que pour l'instant sur son service visiblement on peut toujours faire la même. Assez content de celle-là quand même. Et le petit smash à la fin, voilà, on mène 5-2, non 4-2 pardon. On fait les retours gagnants, faut que je fasse très très gaffe sur mon service. Voilà, c'est bon, je peux nouveau le smasher, ok. C'est pas tant gagné que ça, parce qu'en vrai, même s'il y a un cheat code, faut quand même le mettre dans la position. Il est obligé de la mettre comme ça. Ça marche pas à tous les coups. Ah non, mais les smash gagnants, c'est grotesque. J'en ai fait 17, quoi. Et 18. Non, 19 même. Merde, j'ai tiré beaucoup trop vite sur ce coup-là. Pas ça que je voulais. Ouais, je sais qu'il faut viser le T sur le service, mais contre lui, vu la puissance qu'il a, vu qu'il arrive à faire des retours à chaque fois, ça sert pas à grand-chose. Allez, un 20ème. Oh
On essaiera de jouer Donkey Kong après en... On essaiera le mode ultime, on essaiera de jouer en champion et en star. Et on essaiera le Dome Peach. Il y a le Dome Peach qui n'a pas encore été testé. Bon, il n'y a plus qu'à 2 points de la victoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que 5-3, c'est ça. 5-3 ou 5-2, je ne sais même plus. Aïe 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 aïe, il m'a lobé. Attention. On sort bien sur celle-là. Est-ce que c'est l'âme de match? C'est l'âme de match. Et évidemment, on va gagner. Alors, c'est pas sur un vrai Smash, mais on gagne quand même. C'est comment par rapport à Top Spin 5? Bah, j'aurais bien aimé l'essayer, Top Spin 5. Hein. Voilà, donc regardez les stats grotesques. 21 Smash gagnants. 21. C'est juste débile. Yoshi n'a pas le droit de jouer au tennis. Non, pas dans celui-là. On va utiliser Mario. On va se mettre en star, du coup. Je peux l'avoir? Ouais, je peux l'avoir en star. Très bien. Mario en star. Face à Donkey Kong, qu'on va mettre en star aussi. Hein. On va se mettre en champion et on va aller sur le Dome Peach. Toujours sur les super frappes parce que voilà. Et on essaye ce dernier cours avant de passer à... On va passer à Mario Party parce que pour le coup, j'ai rien de plus à essayer dans ce Mario Power Tennis en fait. Hein. Vu que le mode scénario, de toute façon... On est d'accord que le mode scénario, on n'incarne pas Mario dedans en plus. Wow, la musique du château de Peach, marrant. C'est la casquette qui me donnait power-up, c'est ça. Merde, joli. Ah, mais complètement à la Bowser là, ouais. Ah, j'ai pas été sur le point de réception du Smash. Dommage. Corrige ça. J'ai l'impression que ça va encore se jouer sur les Smash. Hein. En vrai. Merde. Oh, j'ai continué de l'avoir. Et il m'a eu. Et il m'a eu. Il m'a lobé. Il m'a lobé, je me suis fait avoir mon propre jeu. On va donc falloir être prudent. La caméra, c'est extrêmement traître. C'est très très compliqué de jouer avec cette caméra comme ça. Ouais, mais je pense qu'on va l'avoir la même manière que Bowser en fait. Ouais, le problème c'est de pas se faire lober. C'est-à-dire que c'est la bonne strat, mais il faut pas se faire lober quoi. Ça a l'air, il a l'air un peu plus technique quand même Donkey à battre, je trouve. Ouais, il a l'air un peu plus technique parce qu'il me lobe beaucoup mieux déjà. Donc c'est une strat qui est moins infaillible. Bon, après on est en star player aussi. Hein. On est en star champion donc ça peut pas être donné à ce point là. Allez, joli. Ça peut durer longtemps ce match là. Il y,
en fait, il est plus rapide. Il est plus rapide que Bowser. C'est là que c'est piégeux. Je rêve où il m'a tapé dessus. Il m'a complètement tapé dessus. Le jeu interminable, quoi. Ah, aïe, 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 aïe. Attention, il a l'avantage. Il pourrait mener de 0. Et il va mener de 0. Il va mener de 0. Grosse différence avec Bowser, quand même. On ne peut pas l'avoir de la même façon. C'est pas du tout le même délire. Il n'a pas levé la main pour dire pardon, c'est clair. Ouh la vache. Bonsoir Balog. Ah oui, Mario Baseball, c'était au début du live. On est resté une bonne heure et quart dessus, je pense. Après, j'ai pas fini le jeu, c'est juste qu'en fait on a fait tous les tutos, un match d'exhibition, on a testé tous les mini-jeux parce qu'il y en a un sacré paquet. Oh, c'est abusé ça. Bon, ça fait quand même un jeu, on avance. Allez. Le service de malade qu'il m'a fait là. De toute façon, les smash gagnants, ça sera la clé. Je vois pas trop comment le battre autrement. Oui, Playday, ce sera demain. Exactement, ça sera demain avec la démo de Stellar Blade. Et puis, en fonction de la durée de la démo, on verra si on se fait le petit tour du PS Store. De toute façon, je sais que la démo de Stellar Blade était déjà dispo sur le store US, donc il y a des gens qui ont déjà dû la tester. Oh, Mario, t'aurais pu y aller, là. J'ai vraiment envie de combien de temps elle dure et d'à quoi m'attendre. Yes, je suis content, je suis revenu à 2-2. Ouais, la casquette est stylée, ouais. À reprendre un peu le... Oh, jolie celle-là, très jolie. Je vais prendre un micro, monsieur. Pas évident ce... Ah, dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est un jeu. J'ai mis 30-0 et je me suis fait complètement reprendre mentalement. Là, ça va pas du tout. C'est le premier match qui est difficile, au moins, c'est cool. Il y a du challenge sur ce match-là. Oh, Mario, là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Allez, on refait des smash gagnants. Le jeu est incroyablement dynamique, hein, c'est un truc de ouf. Là par contre, je sais pas comment il a réussi à me mettre. Ça m'agace. Peut-être mener 4-2. Ah, il y a du suspense dans ce match. Il y a du suspense, au moins on s'emmerde pas. Bonsoir Storm Lightning. Ouais, la musique est très très cool, ouais. Ah, il m'a lobé. Joli. Très joli. Que tu souviens sur ce jeu? Ouais, c'est celui-là qui était dev par Camelot, ouais.
Oh, c'est trop bizarre en fait, parce que les lobes qu'il arrive à faire passent beaucoup mieux que ceux de Bowser. Bowser, quasiment tous les lobes qu'il essaie de faire, je pouvais le smasher en retour. DK, c'est très 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 compliqué. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Merci Bellob pour le Prime et le 11e mois d'abonnement. Bon, allez, on revient un peu. Ah, le retour de la magie des Smash. 3 d'affilée là, allez, on y croit. Voilà, allez, c'est bon. 4 Smash gagnants sur celui-là, on est revenu. Oh, joli, très joli. Oui, avec Prime, il faut se rabonner tous les mois. C'est pour ça que je rappelle régulièrement aux gens de penser à regarder si leur Twitch Prime a expiré ou pas, parce que sinon, Twitch ne vous le rappelle pas. Donc je le rappelle, évidemment, si vous avez un abonnement Prime en cours, n'hésitez pas à regarder s'il est toujours actif ou pas, parce que ça ne l'est plus. J'ai pas été très réactif sur ce jeu, ça m'agace un peu. Celle-là. Ouais, maintenant il le planque bien. Il le planque bien pour se rabonner Prime. C'est un peu relou pour le trouver. Oh putain, il l'a eu. Oh, il l'a eu, je sais pas comment. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Je pensais pas qu'il l'aurait celle-là. Et là, en plus, il arrive. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est qu'il va pas forcément faire les lobes là où je les attends. C'est là la subtilité, c'est qu'il arrive à me lober vraiment de façon inattendue. Il reste encore 112 jeux. Le marathon Mario, je vous dis, c'est vraiment un marathon qui porte bien son nom. Il y a vraiment énormément de jeux à faire. Allez, allez, on y croit. C'est ici des jeux qui sont considérables comme des jeux Mario. Il y en a plus de 200 en vrai. Et voilà, encore un de ces lobes que j'ai pas vu venir. C'est le point sur lequel j'ai du mal avec lui, c'est que vraiment, il me fait des lobes, impossible de voir où il va les mettre. C'est un match en un seul set si je gagne. Enfin, du coup, là, si je gagne pas au tie break, ça va être du 7-5. Hein. Allez. C'est la première fois que j'ai une balle pour mener dans ce set. J'ai toujours été mené systématiquement. Voilà, on mène 6-5. C'était compliqué, hein. J'ai été né 2-0, 4-2. Et oui, c'est ça que j'aime dans le tennis, c'est que c'est jamais complètement fini, on sait jamais vraiment comment un match peut s'orienter d'un côté comme de l'autre. Oh là 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 là, ces fameux lobes, ils sont tellement imprévisibles. Après, tant mieux, hein, que les lobes soient imprévisibles, mais... Je me rappelle que j'avais dû 21 smash gagnants à faire, je crois, contre Bowser. Là, j'en suis déjà à 31.
On est à 2 points du match. Ouais, joli, très joli. Allez, à nouveau à 2 points du match. Ah, il m'a encore levé. C'est dommage parce que celle-là, il y avait vraiment un truc. Ah, vous voulez le tie-break hein. Ah, mais vous l'aurez pas le tie-break. Merde. Aïe, 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 gars. Vous l'aurez le tie-break. Vous aurez le tie-break. Avec une musique différente. Allez. Yes. Yes, ça fait du bien. Le 3-0 au début de tie-break, il fait du bien. Attention, c'est pas gagné pour autant. On est bien, on est bien. Oh, joli, très joli celle-là. Là, tu peux rien faire. Oh, encore un lob. Qu'est-ce qu'il en a réussi, les lobes. C'est incroyable. C'est dommage que les lobes soient pas comptabilisés parce que j'aurais vraiment aimé savoir combien de fois il a réussi à me lober. Bon, j'ai 4 balles de match. Je dis pas de conneries. Une. Oh, comment il a sauvé ça? Je sais même pas. C'est fini. Voilà. 37 match gagnant pour l'avoir quand même. Bon, bah, écoutez, au moins, voilà, j'ai battu une IA en champion star. Je suis content. J'suis franchement content. Bon, c'était en un seul set. Le vrai challenge aurait été de le faire en 3-7 gagnant, mais c'est passé. Puis du coup, bah, le mode scénario, voilà, j'ai pas vraiment de raison de le faire, hein, puisque... Ah, il y a des mini-jeux, attendez, il y a des mini-jeux, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que leur mini-jeu, en fait. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs fichiers qui sont... entraînement, mais c'est pour améliorer les super frappes, ouais, donc c'est pas intéressant. Il y a une bonne partie quand même, une partie enregistrée avec un niveau 63 en 10 heures quand même. Et donc, ouais, il y a un dico du tennis, c'est plutôt sympa. Plutôt complet hein, comme jeu. Et du coup, je suis content, je voudrais faire une belle perf. T'es basé sur quoi pour déterminer si t'as fini le jeu? Alors en fait, on va devoir revenir là-dessus. Qu'est-ce qui détermine si j'ai fini un jeu? J'enlève cette casquette Mario Tennis qui est absolument incroyable. Vous voyez, c'est vraiment une casquette de tennis. Hein. Qu'est-ce qui détermine si j'ai fini un jeu? En fait, c'est est-ce que j'ai soit atteint les crédits de fin, si bien sûr il y a une méthode, on va dire, normale pour avoir les crédits de fin, ou s'il y a pour les puzzle games parfois, si on a atteint le niveau max comme dans Dr Mario par exemple, vous voyez, des jeux terminés, j'en ai comptabilisé 55 sur 97 de terminés, je crois, un truc comme ça, enfin sur 98 maintenant, et ouais, du coup ça se base, ouais, soit sur l'affichage des crédits, soit sur des conditions de complétion que parfois on détermine avec le chat en fonction des, on va dire, au cas par cas. Donc du coup, voilà qui conclut la partie Game Boy Advance du Marioton et du coup, la courte carrière du Game Boy Player en stream. Non, parce qu'en vrai, on va refaire des jeux GBA ultérieurement dans le Marioton. Par contre, c'est pas fini pour ce live. Hein. Il y a encore un jeu ce soir. Donc du coup, on va évidemment passer dessus incessamment sous peu. On range cette magnifique manette également.
on range le Game Boy Player au passage. Enfin, ça va faire un peu de place. Et on va basculer. Alors on va ranger Mario Power Tennis bien sûr et on va basculer sur le fameux 99e jeu du Marioton. Parce que donc on va pouvoir encore enlever une unité, on va pouvoir mettre qu'on a fait 98 jeux, qu'il en reste 111 si je dis pas de conneries. Et après ça, après la fin de cette soirée, il en restera quand même encore 110. Hein. Ça fait 209 jeux à faire en tout. On va passer à un autre jeu GameCube qui va être l'avant-dernier jeu GameCube, hein, la partie GameCube. Va bientôt se terminer également, donc je range Mario Power Tennis et j'espère que vous êtes prêts pour cette fin de live qui promet d'être absolument épique. Parce que c'est pas que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein. C'est juste que je vous ai gardé le plus cringe pour la fin. C'est pas volontaire, encore une fois, les jeux sont dans un ordre chronologique, littéralement, et j'ai gardé pour la fin Mario Party 7 avec le micro, évidemment, c'est le bundle micro. Le micro d'ailleurs qui avait servi, je crois, pour faire Mario Party 6. On va le rebrancher dans la GameCube et on va encore bien se marrer parce que je vais gueuler des bêtises dans mon micro pour que mes persos m'obéissent. On va tester, on va voir si les modes de jeu sont les mêmes et si, sont aussi nuls que dans Mario Party 6. Parce que Mario Party 6, on va quand même être honnête, c'était quand même très cringe. Hein. Donc on va déjà brancher le micro. Là, voilà. Ça va être fantastique. Ah ouais, non, mais évidemment que ça va être fantastique. Moi, je pense qu'on va encore être sur un très grand moment de stream. Ce sera jamais pire que ce qui a été fait hier avec Dancing Stage Mario Mix, hein, quand même. Je sais pas en quoi consistent les mini-jeux qu'il y a dans Mario Party 7 au niveau du micro. J'en ai absolument aucune foutue idée. Donc, on va regarder ça. Donc voilà Mario Party 7. Voilà. J'ai les points VIP hein, qui sont ici, des points VIP qui ont été grattés bien évidemment. On va regarder s'il y a un peu de lore dans le jeu. On va mettre évidemment le disque là-dedans. Tu as loupé Mario Mix, Otani. Tu n'avais qu'à être là, mais je rappelle que la VOD est dispo. Par contre, vraiment, t'as raté un grand moment, Otani. Hein. C'est très très dommage que tu sois pas passé là-dessus parce que franchement, en live, c'était quand même très drôle à voir. Oui, le quiz était assez extraordinaire. Alors, on va déjà regarder. S'il y a donc un semblant de lore, parce que tous les Mario Party, ils ont une espèce de scénario qui est complètement claqué au sol. Donc on rappelle que le micro, il faut le brancher dans le port carte mémoire. Hein. Hop, voilà, donc on va le mettre dans le port carte mémoire. On va évidemment remettre l'input viewer GameCube aussi. Et oui, non mais Otani, voilà, comme dit Miku, et pas que, t'as tout loupé. C'est dans le port 2, faut le mettre dans le port 2, pas dans le port 1. Ah oui, le port 1, c'est celui de la. C'est celui de la carte mémoire si on en a une. Même si on en a pas, en fait, on le met quand même dans le port 2 le micro, c'est ça. Alors, hop. Toujours le port 2, très bien. Donc, toujours le port 2, la manette, on la rebranche, elle est là, c'est parfait. On va lancer le jeu incessamment sous peu, mais on va quand même regarder là-dedans dans cette petite notice s'il n'y a pas quelque chose à nous apprendre. Alors. On notera un truc très drôle, c'est regardez, il y a une page micro Nintendo GameCube, comment jeter ce produit lorsqu'il est arrivé en fin de vie. J'avais jamais fait gaffe à ça. Attendez, je regarde parce que c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, effectivement. Non mais... regardez la photo de la meuf qui tient le micro, quoi. Je suis désolé, mais regardez-moi ça. Elle a l'air heureuse de faire ça. Hein. Alors, nous avons. Oh Miku, t'inquiète pas, Otani, il est quasiment plus jamais sur mes streams non plus. Hein. On le voit plus du tout. Je pense qu'on va lui enlever son rôle de modo à hein, ce rythme-là. Histoire et personnages. Eh ouais, il y a du lore, je l'avais dit. Ah, vous êtes là, bien le bonjour, c'est moi Papy Champi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est récemment passé. Voyez-vous, Mario et ses amis sont toujours très occupés à combattre le mal et sauver le monde et ainsi de suite. Je lui ai donc offert la possibilité de participer à une croisière autour du monde. Splendide, n'est-ce pas? Mais en faisant cela, j'ai déclenché la colère de ce coquin de Bowser. Ce coquin de Bowser? Laissez-moi vous raconter ce qu'il a dit. Ça me rend fou! Ah, ils partent en vacances, sans moi! Ils veulent s'amuser? Bien, je vais m'en occuper. Personnellement.
Je vais retrouver ces ringards et ruiner leur croisière. Gouah, ah, ah, ah. Par mes moustaches, le roi des coupas n'a jamais été autant en colère. Qui sait ce qu'il va faire? Reprenons espoir, que diable! Nous n'allons pas le laisser une autre croisière, n'est-ce pas? Très bien. Donc les personnages, ils sont ici. On notera qu'il y a Burdo et Skelerex, et Boo également, et ça nous dit qu'il faut les débloquer pour les utiliser dans le jeu. Donc on a Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Burdo, Skelerex, Boo, Wario et Luigi, et Toadette. Ce sont des duos de personnages, littéralement. Bowser n'a jamais été autant en colère dans chaque jeu, exactement, c'est ça. Bowser est très énervé. Le jeu est dans la GameCube, écoutez, on va lancer la GameCube sans plus attendre, et on va basculer sur sur le jeu, hein, hop, voilà. Qu'en est-il donc? Ah oui, donc là, évidemment, ça ne s'est pas lancé là. La GameCube, on est là. Très bien. Comment ça, on est en 49? Attendez, le jeu m'a pas proposé de booter en 50 Hz, c'est quoi ce bordel? En 60? Il est pas jouable en 60? Putain, mais ouais, ce jeu n'est pas jouable en 60 Hz. C'est-à-dire qu'on est en fin de vie de la GameCube, on est un an avant la Wii, et on a encore des jeux GameCube qui ne... Il faut laisser appuyer sur B au boot, sérieux? Ça marche? Bah, attendez. On va laisser appuyer B au boot, du coup, et on va voir s'il se met en 60. Donc là, que j'appuie sur B maintenant, ça n'a rien fait, hein. Ça n'a rien fait du tout. Donc non, lui, vraiment, il n'y a rien à faire. Lui, il est en 50 Hz. Bon, bah écoutez, on va le lancer. Hein. Il est légèrement frisé, en plus, d'ailleurs. Hop. Évidemment, les jeux 50 Hz, ils n'ont pas la même résolution. Donc, il faut recadrer le truc. Ah oui, non, mais j'ai fait un reset. J'ai fait un reset, ça n'a rien changé. Un jour, notre héros, bien connu de tous, était sorti faire sa promenade matinale. Oh, regardez, c'est Papy Champy. Il offre à Mario et ses amis de passer des vacances sur un paquebot de luxe. Sauver le monde est un travail de longue haleine. Il accepte avec joie cette invitation. Très bien, et bah écoutez, lançons Mario Party 7. Je crois que j'ai loupé la fin du scénar, mais bon, on l'avait déjà vu de toute façon dans la notice. Profitons-en pour remettre à jour d'ailleurs la catégorie du stream. Hein. Hop, voilà. Aucune mémoire-carte n'a été détectée, on le sait. Vous ne pouvez pas sauvegarder, que voulez-vous faire? Bah jouer sans sauvegarder, hein. Très beau paquebot, soit en passant. Bienvenue à Mario Party. Embarqué sur le luxueux paquebot Étoile des Mers. Veuillez choisir une croisière épatant. Je m'appelle Papy Champy et je serai votre guide. Alors, il y a croiseur parti, commencer à jouer avec vos amis. Croiseur solo, jouer contre un ami ou contre l'ordi. Croiseur de luxe, jusqu'à 8 amis peuvent jouer ensemble, bah dites donc. Les réglages, la boutique. Croiseur du jeu. Ok, alors on va aller sur la croisière solo. Ce bateau n'est pas que beau. Oh là là. Oh là là là. Oh, elle est belle celle-là. Sensationnel, vous êtes là. Bienvenue à la croisière solo. Non, c'est pas le paquebot des îles Mario Kart. Je me suis posé la question au début aussi, mais non. Commençons par régler les paramètres du jeu. Moi, j'attends les modes qui jouent avec le micro. Hein. Je dois vous expliquer les règles. Ça sent le truc interminable. Comme à chaque fois, mais bon, allez, on va le faire. Vous jouez contre un seul adversaire sur le plateau de votre choix. Vous jouez soit contre un personnage ordi, soit contre un ami. Vous jouez contre un ami, jouez ses modes versus joueur. Chaque plateau a un objectif que vous devez atteindre. Le gagnant est la première personne à atteindre l'objectif. Vous mettez l'ordi, le jeu sauvegarde le nombre de tours joués. Tous les plateaux pour afficher votre score dans les classements. Essayez d'être numéro 1, vous pouvez le faire. Ok, versus ordi. Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est tomber sur les mi-jeux avec du micro. Mais c'est un personnage. What the fuck? Attends, mais en fait, on screen party, c'est ça? Bon, je vais l'appeler Mario quand même, mais d'ailleurs c'est marrant, on dirait presque la police d'écriture de Smash Bros. Melee. Voilà. Donc là, je vais utiliser Mario.
Ah oui, on a un message d'accueil avec je vais gagner et tout. Ok, non, pas besoin. Jouer avec Mario, bah oui. Ah, donc on a le Grand Canal, le Pic Pagode, le Parc Sec-Sec, les îles infernales de Bowser, Moulinville, Flash Vegas. De toute façon, il n'y a que le Grand Canal où on peut aller. Franchement, les Mario Party après le 4, j'ai vraiment lâché. Bah moi, je m'y étais jamais mis. Hein. Je me suis très 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 tardivement au Mario Party. Je sais pas à quoi m'attendre, parce qu'il m'a pas proposé. Bon, là on est sur du plateau Mario Party classique, ok, mais moi ce que je veux c'est... On est d'accord que Mario Party 6, il y avait un mode qui permettait d'aller tester les mini-jeux micro. J'ai rien trouvé de tel cette fois. Hein. Ce qui est ouf, c'est que la boîte du jeu ne le mentionne pas. On est d'accord que dans Mario Party 7, il y a rien qui permet d'aller tester spécifiquement les mini-jeux du... les jeux du micro. Au Grand Canal, une ville formidable avec des ballons, des gondoles et des canaux. Oui, éclaire ma lanterne. Pour gagner, collectez deux étoiles avant votre adversaire. La méthode pour avoir des étoiles est la même que pour la croisière partie. Quand vous atteignez une case étoile, payez 20 pièces pour posséder l'étoile. Ok, bon, c'est un grand classique. Je répète, il faut avoir deux étoiles en premier pour gagner. Mais du coup, c'est du Mario Party en 1v1. Mais c'est nul. J'ai un petit cadeau, recevez chacun 10 pièces. Bah oui, classique, de toute façon, c'est du Mario Party, hein, on a l'habitude. Tout se trouve la première étoile, ok. En premier, vous pourrez l'acheter pour 20 pièces. Oui, ça se joue comme du Mario Party, moi ce qui m'inquiète, c'est donc on est sur du 1v1. D'ailleurs, je joue en premier, on se pose même pas la question. J'ai une capsule Iris, ok, très bien. Franchement, je pense que Mario Party 4, c'est peut-être celui que j'ai joué qui était le mieux. Alors, mini-jeu duel va avoir lieu, remportez pour voler des pièces à votre adversaire. De quel mini-jeu s'agit-il? Nous gagnons le droit de tourner la roue prodigieuse. Ça se défend, le 1v1 sur un mode solo, ça évite de se taper les 3 tours du CPU. Bah c'est vrai, mais après les tours du CPU, on pourrait juste avoir un bouton pour les accélérer, et puis voilà. Hein. Mario Fantasy va désigner le mini-jeu qui va être joué. Comme c'est excitant, ah, n'est-ce pas? Thomas Cass lève un panneau, le ponton avec le NDC cool. Vous ne pas rester dessus. D'accord. Y aller direct. Je viens de voir, on peut bien tester que les mini-jeux au micro, il y en a 5. Ok, cool, bon, bah on ira les tester après alors. Go! Bah voilà, Toadette est nul en fait. Toadette est complètement teudé. Donc forcément, c'est passé assez facilement. C'est-à-dire que le 1v1 contre un ordi qui est complètement con, c'est pas trop dur en vrai. Hein. Du coup, j'ai gagné 10 pièces avec lesquelles je pourrais presque acheter une étoile en fait. Voilà. Je déclare que le duel terminé. Eh ouais, peut-être tu es juste trop nul en fait. Bon après, je suis modérément convaincu de l'intérêt de ce mode-là. Ah, il y a des cases DK, tiens. Il y a un mini-jeu DK pour un joueur, donc on va regarder l'ordi jouer à un mini-jeu pour un joueur. C'est passionnant, hein, quand même. Ok, vous offrez un cadeau, bah ouais, mais... Ah, d'accord, elle a récupéré... Ah, mais ouais, en fait, c'est un bon bonus. Du coup, elle a récupéré ses 20 pièces. Ah oui, non, pardon, elle remportera les 20 pièces si elle gagne le mini-jeu. Et donc, moi, je suis obligé de me taper tout ça.
Putain, le Liane en folie, alors qu'ils auraient pu nous refaire le Liane folie extraordinaire de Donkey Kong, comment dire... Donc d'accord, moi je peux rien faire là, ouais, c'est-à-dire qu'on les regarde juste jouer en fait. Waouh, c'est passionnant. J'aimerais le commenter en mode e-sport, mais j'ai décidé que j'en avais absolument rien à foutre. Non mais franchement quoi. Finish. Bon, allez. Ah bah oui, le niveau Liane Folie, c'est une, c'est signé Véronique Chantel, hein, sur... Elle a gagné, donc elle a récupéré ses 20 pièces. Enfin, elle a récupéré 20 pièces, du coup, un coup de 20 pièces. Je vais juste regarder sur la map où je suis pour voir si j'ai le temps d'aller chercher une poêle ou pas, parce qu'en vrai, c'est pas bien passionnant, on sait comment ça va se passer. Moi le Mario Party 7, je l'ai juste lancé pour tester les mini-jeux au micro. Vous savez que c'est ça qu'on attend ce soir, c'est pour ça... De toute façon, on est d'accord, le chat, c'est pour les mini-jeux au micro que vous êtes là. On va regarder un peu la carte, quand même, hein. Je suis où? Je comprends absolument... Ah oui, je suis là. Ah ouais, ouais, non, le temps d'aller la chercher, ouais. Ouais, non, c'est trop, trop long. Beaucoup trop long. Donc, ouais, alors, attendez. On va se barrer, hein. Le micro est actuellement activé. Il est possible de jouer au mini-jeu micro. Bah oui, bah je sais, c'est ça que je veux. Donc, je quitte. Je quitte parce que moi, je veux aller jouer au mini-jeu micro. Donc, nous avons la croisière mini-jeu. On va partir du principe que c'est là. Hein. Et là, c'est le drame, aucun truc n'est débloqué. Bienvenue à la croisière mini-jeu. Il y a une grande variété de mini-jeux. Faisons d'abord les paramètres, puis je vous expliquerai les règles du jeu. Donc, une personne et trois joueurs ordi, oui. Je suis Mario. On va mettre Toadette. Et Waluigi, sans d'avoir des persos qui changent un peu. Alors, jouez à vos mini-jeux favoris. Vous n'avez pas... Ah oui, d'accord. Va falloir espérer qu'il y ait assez de... c'est quoi la nage libre, du coup? Ce serait très frustrant si on pouvait jouer à aucun jeu micro parce qu'ils sont pas débloqués quand même. Mieux mon nage libre, vous pouvez jouer à autant de mini-jeux que vous le souhaitez. Ah! Ouais, sauf qu'il n'y en a aucun de dispo quoi. Oh, comment c'est nul. Franchement, c'est abusé. Attendez. Ah, micro 4 joueurs. Attendez, micro 4 joueurs. Micro 1v3. Voilà. Donc on a... Donc micro 4 joueurs, on est d'accord que ça c'est des trucs où je serais obligé de jouer contre... attends, on va regarder. Si, je peux le valider quand même visiblement. Dites souffle dans le micro pour gonfler le ballon et arrête pour arrêter. Ouais mais regardez, je suis contre 3 ordis. Il y a bien moi contre 3 ordis hein. Gagner si la personne suivante fait exploser le ballon. Ah oui, d'accord. Attendez, je suis trop curieux là. On va essayer pour voir comment ça se passe. Mais je suppose que les ordis jouent à leur tour. Ils vont jouer au micro, c'est ça, voilà. Donc faut que je dise souffle et arrête, c'est ça. Go. Souffle. 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 Arrête. C'est bien, c'est que j'ai aucun moment d'utiliser à quel moment il explose le truc. Je pense que Blue il a gagné là. Ah non, le ballon gonfle vraiment beaucoup. Moi je vous préviens, je le fais qu'une fois. Hein. Ça va péter sur Waluigi, non? Non? Oh merde. Ça va me péter dessus. Arrête. Souffle. Arrête. C'est localisé ou tu peux le faire dans une autre langue? Bah, je pense que c'est localisé, là, pour le coup.
Ah, Toadette, elle est... Toadette, elle y croit, hein. C'est Toadette qui a gagné, ok. Ça marche bien, la commande vocale, mais de ouf, hein. Victoire de Toadette. C'est quoi? C'est vraiment complètement con. Alors, on va faire le tir au point. Je vous dis, moi, le jeu ne m'intéresse que pour les mini-jeux au micro. Dites tir pour tirer une fléchette sur les cibles mouvantes. Vous pouvez tirer jusqu'à 5 fléchettes. On va s'exercer parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Go ! Oui. Tire ! On va tirer. Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! D'accord. C'est pas très intéressant. Attends, on va devoir subir en plus les orbites qui jouent, quoi. Mais oui, on pourra le faire à la manette. C'est-à-dire que les... Bonne nuit, coton. Pour l'instant, les mini-jeux qu'on a sont nuls à chier parce qu'ils pourraient complètement être joués à la manette. On a l'impression qu'après Mario Party 6, ils se sont dit, vas-y, on va rentabiliser les micros qu'on a fabriqués, on va faire un deuxième bundle avec un autre Mario Party. Et on va mettre des mini-jeux au micro qui sont complètement nuls et qui pourraient jouer à la manette. Ouais, en vrai pour les joueurs avec un handicap, c'est pas mal. C'est peut-être la première fois que Nintendo a pensé aux joueurs en situation de handicap. Odama, c'est pas vendu, vite, il faut Mario Party, c'est ça. On rappelle que Odama, c'est l'autre jeu qui se joue au micro sur GameCube, et c'est un jeu de stratégie. On commande des unités, et c'est pas dingue, hein. Alors, on a le tir au boulet. Apparemment, il y a... J'avais l'impression qu'il y avait 10 mini-jeux, moi. Dites un chiffre dans le micro pour tirer sur une fenêtre. Vous marquez des points si vous touchez un boulet. Ah, allez. Moi, je suis content de voir que mon micro marche. Oui. 8. 8. 4. 7. 4. 9. 8. 9. 8, 8, 4, 8, 4. Je rêve ou ça n'a pas marché du tout? Ah mais oui, parce qu'en fait il faut que les balles touchent les bouts. Donc en fait, je les ai tous ratés. Moi je pensais que, en fait au début je pensais qu'il... Ça marcherait largement mieux à la manette. C'est... C'est nul! Faut complètement pré-shot, c'est complètement nul! On va essayer de le refaire parce que. Parce que là, ça va pas du tout. Alors, c'est pareil, le fait qu'il faut dire oui pour valider le truc, c'est. Go! Oui! 7, 9, 8, 4, 9, 9, 4, 7, 8, 8, 8. Mais en fait... Ouais. Le menu pause affiche que le micro a détecté. Non, non, c'est pour le rappel effectivement des commandes, ouais. Bon, j'ai déjà battu Boo à son propre jeu, je suis content, voilà. C'est ma satisfaction de la soirée. Bon,
clairement Toadette elle va passer devant, voilà. Ah oui, puis les bouts avec une couronne rapportent plus de points en plus. J'ai mis bout en difficile. Ah ouais? J'ai même pas fait gaffe. C'était très intéressant. Alors, on continue. On va ensuite aller sur Chronomètre. Quel incroyable nom de mini-jeu. Arrêtez le chronomètre aussi proche que possible du temps qui vous est demandé. Ouais, c'est encore un truc où on pourra appuyer sur un bouton, on va juste falloir dire stop en fait, c'est ça. Enfin, j'imagine. Merde, j'ai pas regardé. Il y a un jeu au chronomètre. Ouais, c'est ça, faut dire stop. Là, il va 9 secondes, ok. C'est parti. Stop. Ah, il a pas avancé comme je le pensais. C'est pas des vraies secondes en fait. Je le referai après en essayant de mieux compter les secondes parce que du coup là je me suis un peu fait avoir. Par contre, en vrai, pourquoi on n'a pas tous le même nombre de secondes à jouer? C'est pas très équilibré cette histoire. Ok, donc Goomba et Toadette sont nuls à chier. Finish. Donc c'est Boo qui a gagné. En même temps, Boo, on l'a mis en difficile par erreur, donc... Vas-y, je leur tente un coup. J'ai dit Goomba. Pardon, le Goomba étant le host, je me suis planté. C'est Waluigi, bien sûr. Parce que lui, le Goomba est un host. Alors, 7 secondes, ok. C'est parti. Stop. Pas encore parfait. Goomba qui utilise la force pour tenir le micro, c'est vrai. Alors, Boo, tout à l'heure, il était arrivé à moins 0,32, je crois, justement, ou 0,38, je sais plus. Donc, on va voir si Goomba est toujours, toujours fort parce qu'il est en hard. Ah, c'est mieux que la dernière fois, oui, c'est clair. Non, Goomba s'est loupé. Bon bah comme les autres ont l'air nuls, ça devrait le faire. Vu que Toadette et Waluigi ont vraiment pas l'air bons. Mais je trouve, franchement je trouve les mini-jeux au micro beaucoup moins marrants que dans Mario Party 6. Mario Party 6, les mini-jeux au micro, je suis désolé, il y a quelque chose de complètement débile dedans. C'est celui où on doit courir là, en disant stop, avancer ou je sais plus quoi, c'est marrant. Mais là, c'est des mini-jeux en fait, ils pourraient se faire au... Comment dire, il pourrait se faire au pad. Vraiment, c'est pas intéressant. Et oui, j'ai encore appelé Waluigi un Goomba, je suis désolé, décidément. J'ai une obsession pour les Goombas. Allez, je vous ai battu, bande de nazes. Alors, il y a panne sèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Posez votre carte en criant les commandes dans le micro. Ah, ne tombez pas en panne d'essence et essayez d'atteindre l'arrivée. Là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. Là, ça va être nul. Et ça va être bien cringe comme il faut. Il va falloir dire quoi, gauche, droite, c'est ça? Go! Le micro, il dit oui. Oui. Oui.
À gauche, à droite, champignon. Okay. À droite. À gauche. À gauche. Ah merde, champignon. À droite. À droite. À droite. À gauche. Ah mais oui, d'accord. Ah oui, en fait, on a on a une jauge d'essence. J'avais pas fait gaffe. Je crois que c'était le temps qu'on mettait pour arriver à la ligne d'arrivée, mais non. Bon, c'est pareil, ça peut se faire ça aurait pu se faire à la manette aussi, hein. Bon, ça dit Bou joue très mal, hein. Il va faire un bon score, mais il joue très mal. Je vais le réessayer, celui-là. Je vais le réessayer. Je suis pas satisfait de la façon dont je m'y suis pris. Tous les mini-jeux ont été faits pour jouer à la manette, ils ont juste choisi 5 au pif pour changer les commandes au micro. J'ai un peu la même impression, ouais. Go ! Oui. À gauche. À droite. Champignon. Le champignon. Et le champignon. Mais c'est de la merde. Mais j'ai dit champignon. Mais c'est complètement à chier. Vas-y, je rage quit. C'est nul. Eh, je suis désolé, j'ai dit champignon alors que j'avais encore largement de l'essence, quoi. Alors, on reste en mode match libre. On va regarder. Donc, on a le micro 1v3. Et ouais, c'est le seul autre. Ok, donc on va essayer les micros 1v3. Le joueur seul donne les ordres pour lâcher les tombes. Les trois autres essaient d'éviter de se faire ratatiner. Ah, ça j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. C'est moi qui vais me déchaîner sur les ordis. Allez, let's go. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 1. Finish. Mais Toadette, elle est vraiment prude. Elle est complètement teubée. Je suis désolé, mais Toadette, vraiment, c'est chaud là quand même, hein. On va pas insister sur ces mini-jeux, on va tous les faire, mais franchement ils sont pas ouf. Hein. Lance ce petit micro pour diriger les bras du robot, les autres font des charges au sol pour afficher le bobomb. Ok. Bou, il est mort parce qu'il est tombé dans la lave. Je sais pas comment il s'est démerdé. Ils sont vraiment nuls. Hein. Gauche. C'est quoi d'ailleurs? Alors droite, gauche, 2 points, rotation, point rock. Oh la vache! Point rotation. Roquette. Non, c'est point roquette. Point roquette. Rotation. Roquette. Ok, super. Il est pas réactif, je trouve. Il est pas réactif, putain, les mini-jeux. Mario Party 6 est beaucoup plus amusant à ce niveau-là, je trouve. J'en vois pas un qui soit intéressant, là. Je se déplace la plateforme verticalement de façon à ce que les autres joueurs soient touchés par le mi-ballon. Je suppose qu'on dit haut, bas et rien d'autre. Go ! C'est ça. En haut, en bas. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Finish. C'est très très basique. C'est très très basique. Et c'est pas... Non. C'est vraiment pas incroyable. Alors, il y a la roue de l'infortune. Le micro pour lâcher les ennemis sur les trois autres et un debout à gagner.
Ouais, c'est décevant Mario Party 7 hein, quand même. Go! Chomp, Mascas, Bilbalo. Chomp. Chomp. Mascas. 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 Ah oui, d'accord, il est. Bilbal. Bilbal. Chomp. Bilbal. Chomp. Bilbal. Mascas. Chomp. Voilà. Ah non. Chomp. Bilbal. Chomp. Non, Bou a gagné. À plusieurs, ouais, à plusieurs, c'est peut-être plus rigolo, mais. Bon, celui-là encore, à la rigueur, faut dire les noms des. C'est comme celui avec le robot, c'est un peu plus poussé, mais c'est pas. Petit micro pour attaquer les nageurs sous l'eau. Si vous êtes dans l'eau, essayez de tout éviter. Go! Alors, Chip Chip, Lakitu, Bloop, Sushi. Sushi! Sushi! Bloops! Lakitu! Chip Chip! Chip Chip! Bloops! Lakitu! Sushi! Sushi! C'est le requin qui s'appelle Sushi, ça me tue! Sushi! Bloops! Bloops! Lakitu! Sushi! Finish! Et il fonçait, et le sushi fonçait sur. On est grave dans le crime. Je gueulais sushi pour invoquer un requin. Non mais non. Juste non, c'est nul. C'est non, vraiment. Vraiment, non. Non. Non, Mario Party 7, non. Vraiment, ça va pas. Mario Party 7, vraiment, ça va pas. Il est très 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 inintéressant, je trouve, au niveau de. Peut-être que sur les plateaux et les mini-jeux pour jouer en mode Mario Party classique, c'est bien. Mais alors vraiment. Vraiment, pour ce qui est de des autres modes, notamment les mini-jeux au micro, qui sont des jeux qui pourraient complètement jouer à la manette. Non, là, je suis désolé, c'est très décevant. C'est très décevant. Donc, je viens de ranger déjà ce jeu. Je suis pas mécontent de ne pas y avoir joué plus longtemps que ça, en vrai, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est pas extrêmement enthousiasmant Mario Party 7 avec le micro. On va quand même mettre à jour tout ça, donc on est bel et bien à 99 jeux, hein, puisque Mario Party Tennis je l'avais pas noté, mais voilà, donc restant 110, on n'a pas fini Mario Party Tennis évidemment. On va aller les noter dans le document du Marioton, bien évidemment, pendant qu'on y est. Hop, voilà. Et on va s'arrêter là, puisque le prochain jeu, comme je vous dis, ce sera le centième jeu. Je rappelle au passage le planning, bon, vous voyez, on inverse le play day qui devait avoir lieu aujourd'hui, qui aura lieu demain. Merci Belladrops pour le follow au passage. Puisque donc, demain, nous serons sur la démo de Stellar Blade et peut-être un petit tour du PlayStation Store si jamais on a le temps. Est-ce que je pense que c'est possible dans ce marathon de retourner sur les Mario Party mais en multijoueur avec des guests? Peut-être, ça peut effectivement s'envisager sur. On va mettre bonus, on va prendre tiens Mario Party 4 par exemple. Bonus avec guest. Voilà. On verra bien. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette. Oui non, je vous ai montré le bonus guest, voilà, vous voyez, il est ici à droite de Mario Party 4 là. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de cette session, de cette 66e session du Marioton, déjà. On est donc à 99 jeux, le prochain sera Super Mario Maker, ce sera normalement mardi ou mercredi prochain, je ne sais pas encore, je vous dirai ça. Mais du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette soirée Marioton avec 4 jeux quand même, hein, c'était pas rien. Je vous mets les liens dans le chat évidemment pour me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube. Et si vous avez regardé cette VOD sur YouTube, merci comme toujours de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Merci également pour les subs, pour votre soutien. On se retrouve demain soir donc pour Playday à partir de 20h et sinon dimanche matin pour la matinale Breakfast of the Wild. Merci beaucoup, de gros bisous et à très bientôt.